Bonsoir à tous et bienvenue. Oh putain, sa gueule. Oh sa gueule. Attendez. Baissez le son de cette merde. J'ai trouvé, en fait, c'est des musiques libres de droit. Donc je sais pas du tout d'où ça sort, ce machin. Bonjour à tous, bon matin. Bienvenue dans ce live matinal. Blabla, je l'ai écrit là. Bon, ça se voit pas beaucoup, hein. Faudrait que je mette un contour noir ou une petite ombre derrière. Bref, on va faire comme ça pour aujourd'hui. Vous avez vu que j'ai fait un habillage, hein. J'ai mis des traits noirs autour, les gars. Attention. Eh, ça m'a pris au moins 15 minutes sur Photofiltre. Donc avant, automatiquement, t'as compris qu'on est autre part. Bref. Bonsoir, messieurs. Alors oui. Je me suis dit que j'allais... Je vais baisser encore un peu. Putain, ça gueule, cette merde, là. Alors, j'ai augmenté le son du micro. Parce que je me suis rendu compte que dans mes vidéos et dans mes rediff live, le son du micro était pas assez fort. J'ai comparé les... J'ai visionné des vidéos à moi sur la PS4. Et j'ai comparé en m'attendant des vidéos de d'autres personnes, genre des messieurs, machin. Et je me suis rendu compte que le son de mon micro... Enfin, le son de mes vidéos était très bas. Donc, en gros, fallait tout foutre à fond pour avoir un son correct, quoi. Et je me suis dit, personne n'a jamais mis de commentaires là-dessus, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y a que moi qui m'en rends compte, tu vois. Donc, je vais peut-être arranger ça. Ça peut être une nouvelle bonne résolution pour 2018. Avoir un son correct. Voilà. Après 1000 ans de vidéos, faudrait peut-être... voilà. Bon, j'espère que ça va, vous. Petit truc de dernière minute. Ça va. Je me suis dit que... Salut. Alors, j'ai même pas dit les bonjour aux gens. Alors, salut Dodo. Salut Bob. Salut Nico. Salut Edgeg. Attends. Ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, si vous voulez, mon écran de télé sur lequel je mets le chat, il est pas... Enfin, si tu veux, l'écran de mon ordi dépasse. Je sais pas pourquoi. Et l'écran des jeux aussi. Quand je joue, c'est pas calé pile-poil dans l'écran. Ça déborde. Donc là, vos pseudos sont coupés, mais juste à la première lettre. Donc ça va. Donc salut Monsieur Bourg, salut Dodo, salut Piu Piu, salut Kazulo TV, salut Young Gaming, salut Sim18, salut Bob, j'ai dit déjà. Salut Colonel Ganicus. Bref. Bonsoir, bonjour. Je suis Guillaume. Voilà, donc j'espère que ça va pour vous. Petit truc de dernière minute, donc je sais pas si vous avez vu l'annonce live que j'ai faite sur YouTube. J'ai dit qu'on allait parler de Black Mirror, donc pour ceux qui n'ont pas vu la saison 4, ça va piquer un peu, parce qu'on va spoil comme des enfoirés. On va parler... de quoi d'autre j'ai dit? Oui, on peut parler du film avec Will Smith, sur Netflix, là... Bright, c'est ça? Parce qu'il y a des choses à dire. Mets ta TV en scan auto, ça ne débordera plus. Ah. Alors comment on fait ça? Avec la zapette? Ah, il faut que tu m'expliques parce que moi je suis une bille totale. Mais avant ça marchait, hein. C'est ça qui me rend ouf, c'est qu'avant ça fonctionnait nickel. Et là depuis, je sais pas, peut-être un mois, un jour ça s'est mis à déborder, puis bah maintenant ça déborde. Voilà. Ils sont coupés comme Grégory. Oui, le mariage d'Ellen Page, bon, y a que dalle à dire. Moi, de toute façon, moi, je m'en fous, je savais déjà. Enfin, oui, ça fait déjà dans la vidéo qu'elle avait fait avec Emma Partner où elle danse, là, elles avaient leurs alliances. Donc, si t'as un peu de jugeote, automatiquement, il se passe quelque chose, tu vois. Faut que j'arrête. Et je suis trop... C'est ouf parce que je suis de plus en plus... Je suis de plus en plus dieudonné, tu vois. Mais pourtant, je regarde plus de spectacle, tu vois. C'est-à-dire que ça fait 1000 ans que j'en ai pas regardé. Mais je sais pas. Quand je suis motivé, il se... Voilà. Ah, c'est dans les options d'affichage. Bah, attends, on va regarder. Donc oui, on peut parler du mariage d'Ellen Page. Il n'y a que dalle à dire. Personnellement, je ne me suis pas vraiment renseigné. J'ai juste vu que ça a été, en gros, ça a été officiel en mode... voilà. Twin Peaks! Bonne idée. On peut parler de Twin Peaks. J'ai terminé la saison 3, donc on peut parler de Twin Peaks. Bright, fallait en faire une série. On va en parler. Je suis assez d'accord avec toi, Young Gaming. Ou une trilogie de films. Ou... En tout cas, c'est... Bon, bref, on va en parler.
Je me suis dit qu'on pouvait faire le petit top flop de jeux vidéo. Parce que du coup, bah, j'ai référencé tous les jeux auxquels j'ai joué cette année. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et en fait, comme chaque année, je me dis, j'ai pas fait beaucoup de jeux quand même. Hein. Et finalement, finalement, si. Finalement, si. Donc, on peut parler de ça. J'ai pas maté l'épisode de DB Super, je suis désolé. Donc, Grégory Coupé. Ah, je connais pas. Donc, on va pas en parler. Enfin, de toute façon, full balèque. Bah, piou piou, je te conseille Black Mirror. Très sincèrement, la saison 4, là, était pas mal. Enfin, j'ai mon petit top des épisodes. Enfin, bref, salut à ceux qui rejoignent. Et du coup, on va parler un peu de tout ça. Voilà. Et oui, on peut parler aussi de Nioh. Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire Nioh. Flop Mario Odyssey. Tu vas voir, calme-toi. De bon matin. Oui, voilà, donc, on va parler de plein de trucs. Puis, ouais, en vrai, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment des trucs à raconter, tu vois? J'avais envie de faire un live, comme l'autre fois. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment des trucs à dire? Bah, je pense que oui, on est parti pour au moins une heure et demie. Voire deux heures de live. Donc, dites-moi si tout est bon. Le son de ma voix. La musique pourrie derrière, hein, on dirait les musiques des vlogs de Florian Honner derrière. Je vais manger ce burger. Voilà. Bref. Hey, DJ Jasm, Florian Honner, DJ Jasm, bref. Allez, j'arrête mes conneries. C'est que je suis ce mec encore, hein. Et là, je me dis, putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu une de ces vidéos. Parce que cette semaine, il était en pause, ce cutard. Et ça me manque, ces vidéos de merde à Florian Honner. En vrai, j'aime beaucoup hein, ce qu'il fait. Au début, j'ai découvert ça. Je me dis, c'est quoi cette merde? Qui regarde ça? Ben voilà. Alors, on va faire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait peut-être pas le top jeu vidéo maintenant, les gars. Non? Écoutez, moi, je vous propose qu'on parle de Black Mirror au tout début. Ça va pas prendre très longtemps. Pour ceux qui ont regardé. Et puis. La calvitie. Non, ça va. Ça va. J'ai été chez le coiffeur, c'est peut-être pour ça. Hein. Bref, allez, on va parler de Black Mirror. Moi, je suis chaud. On parlera de Bright après. On va se faire Netflix, tu vois, un coin Netflix. Et puis après, voilà. Oui, du coup, avant de parler de ça, je vous invite vraiment à mater Slasher sur Netflix. C'est du très très lourd. La saison 1 est sympathique. La saison 2 est géniale. Moi, j'ai adoré la saison 2. C'est une histoire différente à chaque fois. Donc, je vous invite à mater Slasher. C'est vraiment cool. Et je croise les doigts pour qu'il y ait une saison 3. Tu devrais couper plus court. Ah ouais? Non mais en même temps là je sors du Pajot hein les gars. Donc j'ai été, je me suis même pas, j'ai même pas été prendre de douche si tu veux. Bon alors Black Mirror. Alors moi j'ai un petit problème avec Black Mirror. Salut Lightning CK. J'ai un petit problème avec Black Mirror, c'est que un petit peu comme American Horror Story si tu veux. Black Mirror en fait c'est genre pour ceux qui connaissent pas, Joueur du Grenier a fait une vidéo. Black Mirror, en fait, si vous voulez, c'est une saison de... je sais pas, 6 épisodes en général. Et puis, chaque épisode est réalisé par une personne. Notamment, là, dans la saison 4, il y a un épisode qui est réalisé par Jodie Foster. Quand j'ai vu ça à la fin, j'ai fait, ok, d'accord, la meuf, elle est plus dans Panic Room, là, ça y est. Je crois que c'est elle dans Panic Room. Si c'est pas elle, ma blague tombe à l'eau. De base, elle tombe à l'eau, c'est de la merde. Et en fait, donc voilà. Donc chaque épisode est une histoire complètement différente. Avec comme... on va dire comme sujet principal de chaque épisode. Black Mirror, donc le miroir noir. Donc les écrans, en fait, si tu veux. Donc la technologie, en fait. C'est ça le bousin du bordel. Et moi, ce que j'ai un peu de mal avec le délire qu'il y a autour de Black Mirror, c'est que tous les bobos, mais tous
les gens qui se veulent un petit peu, qui pensent être un peu genre, qui réfléchissent, machin, ils vont dire, oh c'est génial, oh, oh la critique de la technologie, ah, les mecs qui se branlent là-dessus, j'en peux plus, moi c'est grenade automatique. Et j'ai le même problème avec American Horror Story, c'est-à-dire c'est tous les petites connasses là que tu vois. Genre, petite pétasse de merde qui mate zéro film d'horreur, et, mais genre, ça y est, la vie des films d'horreur, pour eux, c'est American Horror Story, c'est génial, c'est une religion. Alors moi, je peux pas, c'est grenade automatique. Voilà. Bref, après avoir gueulé là-dessus, et Black Mirror, voilà, le problème, c'est que j'entends beaucoup de personnes dire « Oh, ça fait tellement badé, dès que tu regardes un épisode, après t'es en PLS hein. !» Non, mais tellement pas, quoi, genre... Nique ta mère, déjà, va baiser ta race et va te pendre peut-être à un moment donné parce que l'humanité s'en portera mieux, tu vois. Bref, non mais je parle en connaissance de cause, quelque part. C'est-à-dire, bon, bref, je connais des gens qui disent ça, c'est pour ça. Donc Black Mirror, c'est très bien. Faut voir ça comme, oui, une dénonciation des écrans, machin, mais en même temps, au bout de 4 saisons de 6 épisodes, oui, bon, les mecs, si c'était que ça, ça tournerait en rond, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas que ça, Black Mirror. C'est, voilà. Donc chaque épisode est une bonne idée, ou pas. Et donc moi, je vous propose de livrer... je vous propose de livrer mon top 6 de ces épisodes. Parce qu'il y a 6 épisodes dans cette dernière saison. Et à chaque fois, d'expliquer pourquoi. Hein, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut, Jimente. Alors, je lis le com de Dodo sur les geeks. On va faire notre 6, on va faire du moins bon au meilleur. Alors pour moi, le moins bon de cette saison, c'est, alors je sais plus les titres, je suis désolé, c'est l'épisode en noir et blanc là, avec le robot qui court là. C'est même pas qu'il est moins bon, c'est qu'il est nul à chier quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Mais what the fuck. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous le fais vite fait. C'est une... Qu'est-ce que c'est? Un monde, en fait, apocalyptique. Hein? Alors, pourquoi? Pourquoi? Voilà! Voilà! Pourquoi j'ai été là-bas? J'ai été là-bas pour récupérer des affaires dont je suis propriétaire. Je suis propriétaire, je suis pas propriétaire. Je suis propriétaire. Automatiquement, j'ai des droits. Bref. Salut, Typhoon. Ah, putain, je suis chaud, là. C'est le café, hein. J'ai fait un double expresso, là. Attention, quoi. C'est le plus court, celui-là, et heureusement. Oui, alors, voilà, donc c'est l'histoire. En gros, c'est post-apocalyptique. Ça a été filmé, donc, le style, genre, c'est en noir et blanc. Pourquoi, on sait pas. Je pense qu'il y avait tellement rien dans cet épisode qu'ils se sont dit, les gars, on va enlever la saturation du bordel. Désaturer l'épisode, noir et blanc, on va se faire un Mad Max Fury Road ou Logan Style, tu vois. Ouais, mais sauf que c'est de la merde, en fait. Donc ça se passe, voilà, et les robots ont pris... c'est ce qu'on comprend, hein. Parce que si tu veux, en 40 minutes, t'as pas le temps d'avoir un univers de ouf, tu vois, vachement expliqué. Donc c'est les robots qui ont pris la domination du monde, en gros, qui ont pris le contrôle du monde, et les humains survivent, voilà. Donc on voit une espèce de groupe d'humains, ils sont 3 ou 4, je crois, et ils vont chercher des munitions dans un hangar, enfin on sait pas trop, tu sais. Ils essayent de survivre, tu vois, un peu comme ils peuvent, et ils tombent sur un robot. Et en fait, dans l'épisode, t'as que un robot. Mais c'est pas des robots genre humains, badants et tout. C'est des trucs comme as, qui courent. Genre des petits chiens robots, quoi. Et les mecs sont en PLS devant ça, tu vois. What the fuck, quoi. En bref, donc il y a un chien robot qui bute tout le monde et il reste qu'une meuf qui survit. Et en fait, pendant tout l'épisode, elle prend une bagnole, elle va trop loin. Oh putain. Ah, c'est une musique de vlog. Je suis désolé, hein. Donc ouais, voilà, et en gros, pendant tout l'épisode, elle se fait poursuivre par ce petit chien robot, là. Enfin, c'est nul à chier, quoi. Vraiment de la merde, mais de la merde en barre, quoi. Donc ça, c'est grenade. Automatiquement, cet épisode, j'ai trouvé ça nul à chier. Et à la fin, oui, bon, pour ceux qui n'ont pas vu, ça spoil, on s'en fout. À la fin, elle se bute, la meuf, quoi. Elle a un toki, elle fait, ouais, s'il y a des survivants qui me reçoivent, dites à Jean-Jean que je les aime, ou je sais pas quoi. Allez, au revoir. Et elle se bute. Aucun sens. Bref. Ensuite, je mettrai en 5.
Faut que je réfléchisse parce que je sais pas si je les ai tous en tête. Je sais à peu, je sais le top 3. Oui, alors oui, en 5. Ah oui, c'est de la merde, 4-0, ouais. Des humains en PLS par des BB-8. Non mais encore, BB-8, tu sais, il a une genre de... d'estomac à roue, tu vois, il peut rouler. Là, c'est des petits chiens robots, comme ça, qui font... Mais ils vont... Enfin, tu sais, ils courent un peu, mais ça va, tu sais, tu fais un sprint, tu les rattrapes, les bordels. Bon, après, ils ont un petit gun. D'ailleurs, à un moment, le robot, il prend un couteau, et il se fixe un couteau à la Evil Dead, tu vois, comme Ash avec sa tronçonneuse. Il se met un couteau, et après, il pique dans les murs et tout, là. Bah ouais, c'est vraiment de la bouse. Donc du coup, épisode numéro 5, je me suis dit que j'allais mettre l'épisode avec la mère qui met un implant dans sa fille là, pour contrôler sa fille, pour voir ce qu'elle fait, pour la localiser avec le GPS et tout. Voilà. Parce que je l'ai pas trouvé mauvais, mais je crois que c'est celui-là qui a été réalisé par Jodie Foster. Et d'ailleurs, faudrait peut-être qu'elle retourne devant la caméra plutôt que derrière, parce que c'est un peu, c'est pas ouf quoi. En termes de réalisation, il y a que dalle. Hein. J'ai trouvé en fait que c'était le genre d'épisode que j'aime pas. C'est le genre d'épisode que j'aime pas trop de Black Mirror, parce que j'arrive pas vraiment à me projeter dans le bordel. Genre, elle lui fout un implant à sa gamine dans le machin, dans la gueule là, et alors après elle peut la contrôler quand j'ai, enfin elle peut voir où elle est avec une tablette et tout, ça d'accord, mais elle peut voir à travers ses yeux aussi. Ça j'ai trouvé, je me suis dit mais attends c'est comment c'est possible tu vois, enfin bref, on va pas partir dans un délire, est-ce que c'est possible, bon bref on s'en fout. En tout cas cet épisode je l'ai pas trouvé dingue, surtout la mère qui m'a gavé, genre en fait on t'explique. Pour t'amener à ce moment-là où elle fout un implant dans sa fille, au tout début, en fait, quand elle accouche, on voit l'accouchement au tout début, et en fait, on pense que le bébé est mort. Elle bade et tout, et en fait, il est pas mort. Donc déjà, en fait, ça met un petit truc en mode, elle a eu peur de perdre sa fille, elle va être traumatisée toute sa vie, dès que sa fille va partir aux toilettes, elle va plus savoir où elle est, tu vois. En gros, c'est ça le bordel. Et c'est ça, en fait. À un moment, donc elle est toute petite, elle se perd, elle suit un chat dans un parc, et la mère, elle se retourne, elle dit « Merde, il n'y a plus la gamine !» Elle bade et tout comme une tarée, alors que, genre, elle était juste un peu plus loin, bref. Et du coup, elle se dit oh, « Je vais lui mettre un machin dans la gueule, parce que je sais plus où... j'ai pas envie de perdre ma fille. » En gros, c'est ça, quoi. Donc c'est un peu, bon... Et puis alors, t'as un contrôle parental aussi, c'est-à-dire que les yeux vont se brouiller sur des scènes choquantes. Par exemple, à un moment, elle voit son grand-père qui fait une crise cardiaque, et du coup, c'est brouillé. Son grand-père est brouillé, elle entend pas ce qu'il dit, elle comprend pas ce qui se passe, tu vois. Donc bon, bref. Et puis à la fin, bon bref, je vais pas vous... Bon bref, en tout cas, cet épisode, je l'ai pas trouvé dingue, franchement. Ouais, pas terrible, quoi. Mais ça se passe. Je veux dire, il passe bien. Alors que l'épisode avec le robot, il dure 40 minutes, hein. Mais je l'ai maté en deux fois. Hein. Je me suis endormi devant, et après, j'ai maté la fin le lendemain. Donc voilà. En gros, pour le bousin, celui-là, je l'ai pas trouvé terrible non plus. Ensuite, en 4... Alors attendez. Parce que là j'en ai encore 3 en tête. Il y en a un que j'oublie. J'ai les deux premiers. Ah oui, voilà. Oui, bon voilà. En 4, je vais dire celui avec. Comment on pourrait l'appeler? Celui avec l'architecte psychopathe. Ceux qui l'ont vu. En gros, c'est l'histoire d'une... Celui-là, j'ai bien aimé. Mais j'ai trouvé la fin dommage, parce qu'on ça coupe trop net, et t'as trop envie de voir ce qui se passe après. Et... C'est l'histoire d'une meuf qui... Ouais, alors ça commence comme ça. C'est une meuf qui est avec un gars dans une bagnole. Ils reviennent d'une soirée petit matin, tu vois, ils sont en moitié encore un peu fonce-car. Et il renverse un queutard en vélo, tu vois. Alors, ils sortent de la bagnole et ils voient que le mec, il est complètement désossé, le bordel. Ils l'ont éclaté, quoi. Donc, il commence à bader et tout. La meuf dit, on appelle les flics. Et le mec, il fait, non, non,
j'ai un sac de couchage à l'arrière, on va foutre des caillasses dedans, on va le mettre dedans, on va le balancer dans la flotte, tu vois. Donc ils le foutent dans l'eau. Et voilà. Et donc ça se passe, je sais pas, 3-4 ans après, un truc comme ça. Désolé, j'ai le nez qui est pris encore. Ça se passe quelques années après, et donc la meuf est devenue l'architecte ultra connue, enfin, assez connue, machin. Et un jour, le mec, ce mec-là, il revient la voir en disant « Ouais, ça fait 5 ans, blabla, ok. » Et là, il lui dit « Il faut que je confesse le crime, j'en peux plus. Je vais écrire une lettre anonyme à la femme du mec qu'on a renversé, parce qu'elle l'attend toujours, elle pense qu'il va revenir, et elle fait plus rien de sa vie, machin, quoi. » Ouais, le sketch avec les cyclistes. Putain, qu'est-ce qu'ils sont... C'est vraiment des tarlouses, les cyclistes, avec leur collant dégueulasse, là. Vraiment des pédés, ouais. Et donc, la meuf est non, envoie pas de lettre anonyme, ça va remonter à nous, on va être dans la merde, on va aller en taule, j'ai pas envie d'aller en taule, j'ai une vie cool et tout. Et au final, elle bute le mec, tu vois. En mode, le mec, non, je le fais, t'inquiète, je me barre et tout. Elle le laisse pas partir de sa chambre d'hôtel, elle l'étrangle, elle le bute, quoi. Aucun sens. Et ensuite, elle entend un bruit, enfin, elle entend du bruit dans la rue. Elle est dans une chambre d'hôtel en hauteur, tu vois, dans un immeuble. Et elle regarde et elle voit un mec qui se fait renverser par un camion à pizza automatique, tu vois. Et il se relève, il fait ouais, machin, tu vois. Bref. Et en fait, t'as une meuf, ensuite, une autre meuf qui fait une enquête sur cet accident de bagnole, de camion de pizza, tu vois. Et en fait, elle met un petit implant comme ça sur la paume des gens. La paume, c'est pas la paume. La paume, c'est la main. Sur la... Les pommettes... Comment on appelle cette petite zone-là? La gueule, sur le téco de la gueule, tu vois, quelque part. Et en gros, ça remémore leurs souvenirs. Elle a une petite télé et elle peut voir leurs souvenirs. Et du coup, elle va faire son enquête en disant est-ce que le camion à pizza allait trop vite et tout, pour faire un procès, tu vois. Et forcément, elle va remonter de témoin en témoin jusqu'à la meuf, l'architecte. Voilà. La tempe. La paume, n'importe quoi, la tempe, exactement, excuse-moi. Je suis vraiment une merde. Et voilà, et donc... Et donc la meuf va bader, elle va se dire « Ah oh, mais non, elle va voir que j'ai tué un mec juste avant, et au final, elle bute la meuf. Enfin, » En gros, la meuf, elle bute tout le monde. Donc elle bute la journaliste, enfin pas la journaliste, mais l'espèce d'avocat, tu vois, avec sa petite télé, là. Elle a zigouille, et après elle dit « Ah putain, elle avait un mari et machin. » Donc elle va chez la meuf, parce que son mari, il s'inquiète, il se dit « Merde, où elle est ma femme et tout, elle revient pas. » Donc il va chez la meuf, elle bute le mari, et après elle voit un bébé, et en gros elle bute le bébé, quoi. Et après elle va au spectacle de sa fille de Noël, où tout le monde danse, machin, je sais pas quoi. Et puis en gros, t'as les flics qui arrivent, et ils voient le massacre, ils font « Putain, le bébé était aveugle, je sais pas quoi. » Pourquoi elle a tué un bébé, enfin bref, pourquoi ils ont tué un bébé. Et en fait, il y avait un hamster dans la chambre du gamin, donc en fait, ils branchent le truc au hamster et tu comprends. Et à la fin, en gros, tu vois la salle de spectacle et tout, la meuf qui a tué tout le monde, elle applaudit. Et tu vois les flics qui arrivent derrière en mode, voilà, et t'as un zoom sur la meuf. Et moi, j'attendais qu'il se passe un truc, genre, je sais pas, qu'elle pète un câble, qu'elle court, on sait pas. Et en fait, ça s'arrête comme ça. Ah, j'ai fait bon. C'est pas mal, tu vois, mais je trouve que ça se coupe trop net, tu vois. J'aurais bien aimé un tout petit peu, genre 5 minutes en plus, on était bon, tu vois. Bref, donc cet épisode pas trop mal, mais... Par contre, je l'ai trouvé vraiment bien réalisé. C'est-à-dire que... Je vais baisser un peu le son de cette merde. Je l'ai trouvé bien réalisé, j'ai trouvé qu'il était sympa. Les paysages enneigés, je sais pas où ça se passe. Je sais que Black Mirror, c'est une série british, tu vois. Je sais pas dans quel bled ça se passe, mais c'est magnifique. T'as des grands paysages enneigés, des petits chalets et tout. C'est magnifique. J'ai adoré l'ambiance de cet épisode, quoi. Et ensuite, bon, au top 3, hein, mes préférés, hein, franchement, là. En 3, je mets l'épisode où les mecs, ils font des rencontres avec un petit boîtier, là. Ça, j'ai bien kiffé. J'ai pas compris la fin. J'ai pas du tout compris la fin. Mais j'ai bien kiffé cet épisode.
J'ai bien kiffé cet épisode parce que c'est un truc un peu en mode l'amour, machin, j'ai trouvé ça cool. En fait, en gros, le pitch du bousin, c'est chaque personne a un petit boîtier. Et en gros, le boîtier va te dire, bon, bah, tel jour à telle heure, tu auras rendez-vous avec une personne pour vivre une histoire d'amour, tu vois. Et en gros, c'est tout est fait automatiquement. Donc en fait, les gens ont plus besoin de draguer, ont plus besoin de se rencontrer. Les petits boîtiers, en gros, voilà, ils appellent ça le système. Et en gros, ils arrivent à une table, ils disent c'est toi, bah ouais, salut. Et en gros, ils ont un temps. Ils regardent, ils font bon, bah on regarde combien de temps on va rester ensemble. Ils appuient. Et alors, parfois, c'est 36 heures, parfois, c'est 5 ans. Enfin, voilà quoi. Et en gros, c'est l'histoire d'une meuf et d'un mec qui se rencontrent. Et ils regardent le temps, tu vois. Ils font des petites vannes et tout, ils regardent le temps. Et là, ils se rendent compte qu'ils vont rester ensemble 20 heures, je crois. Alors, ils disent putain, c'est pas beaucoup et tout. Et bref, en gros, ça se passe trop bien et tout. À la fin des 20 heures, ils doivent se séparer. Donc, il y a des petites voiturettes qui vont les chercher et hop, qui les amènent autre part, tu vois. Et puis voilà, et en fait, eux, après, chacun de leur côté, ils vivent des histoires d'amour différentes. Et jusqu'au jour où ils ont un autre rencard. Et en fait, ils ont un deuxième rencard, tu vois. Mais genre, peut-être un an ou deux ans après, tu vois. Et là, ils décident de pas regarder le temps, tu vois. Ils décident de pas regarder. Ils disent, écoute, on va kiffer, tu vois, et on va pas regarder le temps qu'on a, tu vois. Et voilà, et du coup, bah, ils vivent ensemble, on sait pas trop, tu vois, et à un moment... imagine, tu tombes sur Céclin et ça affiche 10 ans. Bah, l'épisode, c'est ça. À un moment, t'as le mec, juste après avoir été avec la meuf, là, t'as le mec, il est avec une meuf, genre, en mode... la meuf aussi, elle est dégoûtée, tu vois. Ils sont là, bon, on va regarder le temps, et là, genre, il y a écrit, je sais plus, un an, je crois, ou un an et demi. Et là, ils sont là... oh putain et tout. Et en fait, genre, tu les vois, ils ont une vie de merde, et ils se font trop chier, quoi. Donc oui, c'est un peu l'épisode, en fait, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Et bref, donc en gros, dans l'épisode, voilà, et au final, le mec, il décide quand même de regarder. Et là, il voit 5 ans. Et il se dit, oh putain, cool et tout. Sauf que, genre, le fait qu'il ait regardé, ça va foutre la merde. Et du coup, tu vois, le temps qui défile, qui descend. Et en gros, il reste 20 heures ou 12 heures, je sais plus. Et donc il est dégoûté, et il dit ça à la meuf, et bref, au dernier moment, il décide de s'évader, de se barrer, c'est un truc à la Truman Show, en fait. Et il décide de s'évader, tu vois. Mais mate l'épisode, piou-piou, il est vraiment cool. Et, enfin bref, et je veux pas vous révéler la fin, mais en tout cas, j'ai pas compris la fin. J'étais là, ah d'accord, et c'est fini, d'accord. Mais l'épisode était fun, moi il m'a fait marrer, quoi, vraiment, vraiment il m'a fait rire, quoi. T'as des bonnes vannes, à un moment, t'as la meuf principale... elle se retrouve avec un mec, quand il boit, à chaque fois qu'il boit, il fait... et genre, dès qu'il le fait, tu vois, la première fois, genre, elle le mate, genre... et en fait, genre, pendant tout l'épisode, dès qu'il boit, il fait... enfin bref, et... enfin, c'est assez drôle, quoi. Ça devient ultra insupportable. Donc celui-là, je l'ai bien aimé, quoi. Donc je le mettrai en 3. En 2, je mettrai le dernier. Le dernier, j'ai adoré. Vraiment, j'ai... ça a mis du temps, je me suis dit, bon vous avez compris qu'en 1, c'est le premier, hein. Le premier je l'ai trouvé juste génialissime. Et le dernier, j'ai surkiffé aussi, mais je pense que j'ai préféré le premier. Le dernier est génial, hein, avec la Black là, qui débarque dans le désert, qui trouve le Black Museum. D'ailleurs on voit l'espèce de sucette qu'il y a dans le 1, dans le premier épisode. Donc en fait c'est un genre de musée de tous les épisodes de Black Mirror, d'après ce que j'ai compris, c'est un genre de délire, tu vois. Et j'ai adoré cet épisode avec le musée des trucs chelous, quoi. Pour l'instant, je retiens des chiens robots tueurs, des camions pizza automatiques et Tinder vicieux. Ça me vend du rêve pour l'instant. Bref, donc le dernier est génial. Je vais pas plus en dire parce qu'il y a une révélation et tout. Je vais pas trop spoil pour ceux qui veulent aller voir. Vraiment, ceux que je vous ai spoil, c'est vraiment, ils sont pas très intéressants. Mais le dernier est vraiment cool. Et le tout premier est génial, quoi. Le tout premier est génialissime. Ça se passe dans un genre de Star Trek, un genre de parodie de Star Trek. C'est assez drôle. Et c'est un genre de programme informatique où les mecs se connectent et tout, et vivent en mode réel un jeu vidéo, quoi. Et c'est vraiment cool. Et il y a des acteurs vachement connus. Il y a un moment, on voit Kirsten Dunst. C'est pas facile à dire. On voit même des choses d'anciennes saisons. Oui, c'est dommage que ça aille pas plus loin, c'est vrai. C'est vrai que... bon.
Mais en même temps, les histoires sont assez intéressantes. Bref, donc ouais, il y a Kirsten Dunst, on la voit en fond, en mode... elle est comme As, tu vois, vite fait. Et t'as la voix d'Aaron Paul aussi à la fin. Moi, j'ai vu un article, hein, je les ai pas vus hein, dans l'épisode, parce qu'on les voit à peine. Et la voix d'Aaron Paul, je me rappelle plus de sa voix, donc... Et voilà. Et en tout cas, il y a l'actrice qui joue dans How I Met, là, qui est dedans. Et du coup, bah, très très cool. Non, très bon épisode. J'ai bien adoré, très content. Voilà, cet épisode était cool. Et pour moi, c'est le meilleur. Et c'est le premier, c'est le meilleur. Voilà pour Black Mirror. Écoutez, ça fait combien de temps? Ça fait 36 minutes qu'on est en live. Je vous propose, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on parle de quoi? Est-ce qu'on parlerait pas de Bright, là? Un petit coup. Je pense que le top jeu vidéo flop, on le fera à la fin. Vous en pensez quoi? Je vais attendre un petit peu. J'ai rien à bouffer. Putain, ma mère, en plus, hier, elle a ramené de la brioche. Elle m'a dit, ah, tu veux de la brioche pour demain matin? Je fais, bah non. Si j'ai besoin de brioche, je viendrai en chercher dans la maison, t'inquiète. Bah, j'aurais peut-être dû, parce que là, du coup... Mais j'ai pas trop faim, en fait. Oh, j'ai la patte de chamallow. Il y a pas... comment il s'appelle? Ce cutard. Il y a pas Akai qui est là? Je regarde la viewer list. Putain, il y a même pas Akai, quoi. Oh, d'ailleurs, Piu Piu. J'ai vu... qu'est-ce que j'ai maté? Oui, votre vidéo sur Ghouls and Ghosts, là. Bon, déjà, fallait faire la version Mega Drive, parce qu'elle est pas mal. Et en plus, il y a les continues limitées. Et fallait m'appeler, parce que moi... moi, je suis très fort à ce jeu. Voilà. Et j'ai vu, donc, la vidéo que t'as faite avec J et Faisel, là. J'ai vu que t'avais les petits... T'avais laissé pousser la petite barbe, là. Ça m'a fait rire. Parce que moi, je me rappelle juste des vidéos que t'avais fait avec J sur Dark Souls et tout. Et là, j'ai vu, mais c'est plus avec sa beubarde. Mais genre, elle a trop poussé, quoi. Genre, trop vite, quoi. Enfin, bref. Bon, le top flop. Bah... Le top flop, je réserve pour la fin, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. C'est, en gros, je fais monter le suspense, tu vois, pour étendre le live au maximum. Donc oui, bon, allez, on va parler de Bright vite fait. Je l'ai maté hier soir, en fait. J'ai commandé une petite pizza, et puis je l'ai maté avec mon frère et ma sœur. Et, bah, je sais pas trop. C'est pas une bouse, c'est pas un chef-d'œuvre. Ça passe. Twin Peaks. On peut parler de Twin Peaks aussi. Bref. C'est Gilote. C'est nul. Non, moi j'ai pas trouvé ça nul. En fait, non. Le problème de Bright, c'est qu'ils ont voulu... Il y a l'air d'avoir un univers vachement bien pensé. Mais en une heure, je sais pas combien de temps il dure le film, moins de 2 heures, il doit faire 1h45, 1h49. Le truc, c'est que en 1h40, allez, en un peu moins de 2 heures de film, tu peux pas expliquer tout l'univers qu'ils ont voulu faire dans le bousin. Et au lieu d'en faire, alors une série, je sais pas, ok, peut-être une saison, en mode 5-6 épisodes, pas plus quoi. Parce que si tu commences à faire une série, j'ai peur que les mecs, ils se soient trop étendus, en mode t'as des épisodes méga chiants, machin. L'idée du film est pas mal, mais franchement, ils auraient dû faire, allez, deux ou trois films, quoi. Histoire d'une heure et demie, histoire de bien décrire les trucs, bien expliquer ce qui se passe. Non, il ne mérite pas son lynchage. Non, moi je l'ai trouvé vraiment cool. Le seul problème, voilà, c'est qu'il y a trop d'informations, il se passe trop de choses. En 2 heures, mais putain, t'as l'impression d'avoir maté une série entière, quoi. C'est un truc de psychopathe. Si vous voulez, ça commence tranquillement. Voilà, t'es dans un ghetto, t'as Will Smith, c'est sympa. T'apprends qu'il y a une fée, qui a des fées, des orques, tu fais d'accord. Donc, ils vivent dans un monde où il y a des créatures cheloues, mais en mode comme dans la vie, quoi. Genre, c'est comme si là, j'avais un pote orque à côté de moi qui mangeait avec moi, tu vois. Donc tu te dis ok, et les orques sont habillés en gangsters, enfin, là c'est bizarre, mais pourquoi pas. Et alors t'apprends qu'il y a une espèce de, pas de secte, mais
de groupes de un peu maléfiques qui veulent prendre le contrôle du monde et réveiller le démon. Enfin, j'ai pas bien compris, parce que le démon, c'est le truc des orques, et t'as les Bright. Enfin, je sais plus. Bref, t'as des elfes. Vous voyez, c'est ultra confus, en fait. Et le truc, c'est que les scènes d'action sont ultra, ultra cut. Franchement, il y a beaucoup de films comme ça que j'ai vus, et j'aime pas ça, je déteste ça. Genre le dernier Spider-Man, Homecoming, là. Une énorme chiasse, d'ailleurs. Je crois qu'il était monté un peu pareil. Les scènes d'action sont tellement cut, il y a plein de plans que tu comprends pas ce qui se passe. T'arrives pas à te décrire la scène dans la tête, tu vois. Et bah dans ce film c'est pareil. T'as des scènes de baston, tu vois rien, tu comprends rien. Tu dis attends, le mec il est là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il y a un moment genre, il sort d'une station essence, ils viennent de se faire canarder et tout, une grosse scène d'action dans une station essence. Ça explose, machin, ils se barrent, Will Smith, l'orque, et puis ils ont un elfe avec eux, ils se barrent, et je sais pas, une minute après, ils se retrouvent dans un gang d'orques qui leur pète la gueule, et ils sont embarqués chez les orques. Tu fais quoi? Et moi j'étais là, je fais attends, tu sais, j'ai demandé à mon frère et ma soeur, je fais, il s'est passé quoi là? Ils m'ont dit non, bah, ils sont juste tombés sur un gang d'orques. J'ai fait, ah mais d'accord quoi. Alors voilà, justement les orques c'est les nouveaux noirs. Oui, non mais d'accord, oui, pas besoin d'avoir fait bac plus 12 pour comprendre ça quoi. Oui, en gros, c'est le délire du la différence, accepter la différence, mes couilles, tu vois. Mais c'est assez mal branlé, quoi. Et puis c'est assez, un peu à l'ancienne, quoi. C'est genre les films comme ça sur les blacks qui se font lyncher. Ça fait des années qu'on n'en a pas vu, et puis bah c'est bon, quoi. On a compris, quoi. En gros, le mec est différent, donc il se fait victime toute sa vie, quoi. En gros, c'est le bordel, quoi. Ouais, ok, d'accord. Bah, t'as pas besoin de foutre des orques, on a compris, quoi. Enfin voilà, et du coup, oui, ça va trop vite, à la fin, tu comprends rien. Donc honnêtement, ils auraient fait, deux films. Deux gros films. Parce qu'en fait, t'as plusieurs organisations. T'as le gang des orques, qui ont un chef, machin, bah, d'après ce que tu comprends, tu vois. T'as le gang des elfes, un peu illuminés, tarés, qui veulent prendre le contrôle du monde, machin. Et puis t'as les humains qui sont là-dedans. Et c'est vachement axé sur les humains. Et du coup, quand au milieu du film, ils disent « Ah, au fait, il y a des elfes maléfiques qui veulent apporter de la lumière, je sais pas quoi. » Et tu fais « Ah bon ? Ah, d'accord, mais d'où ça sort ?» Puis après, t'as des elfes, d'accord. T'as des scènes où des fois, t'as l'impression que t'as des mecs qui sont ensemble. Ils sont dans la même pièce, mais en fait, pas du tout. C'est un bordel pas possible, quoi. Sauf que dans cet univers, les Blacks, il y a 2000 ans, ils ont servi dans l'armée du gros méchant, ça aide pas à les aimer. Enfin, voilà. Voilà pour le truc, et... Alors, j'ai trouvé, ouais, que c'était un gros bordel, et que c'était dommage d'avoir fait un... d'avoir bâclé le bordel comme ça, parce que ça a l'air intéressant, l'univers a l'air sympa, il y a un délire vraiment fun. En fait, pour ceux qui ont vu l'épisode de Striptease Rock'n'Troll, je me suis dit, c'est un peu un genre de Rock'n'Troll, tu vois, mais Netflix, quoi. C'est-à-dire que... Sauf que tu vois les orques et les trolls et les machins, tu vois. Bon, il n'y a pas de trolls, mais... À un moment, ils parlent qu'il y a des nains aussi. On n'en voit pas, mais... Enfin, bref. Et il y a une scène, à un moment, où ils sont dans un... Dans une boîte de nuit où il y a des orques, des elfes, des humains qui font la teuf, quoi. Et ça m'a vachement fait penser à... Il y a une grosse baston de flingues là-dedans. C'est un gros bordel. Avec la musique vraiment métal, assez lourde et tout. Et ça m'a vraiment fait penser à Blade 2, là, la scène où ils vont dans la boîte de nuit des vampires. Moi, je kiffe ce film, Blade 2, c'est un de mes films préférés. Et cette scène, elle est tellement stylée. Et voilà, ça m'a beaucoup fait penser à Blade 2. Et du coup, ça m'a donné envie de remater Blade 2 pour la 40e fois. Voilà pour Bright. Donc, c'est pas il est pas mauvais, mais ça a été un mauvais choix d'adapter ça en film, je trouve. Et ça aurait été mieux en plusieurs films, voire une petite série de quelques épisodes. Voir à la limite, peut-être d'étendre un peu plus l'univers et d'expliquer un peu tous les gangs, le truc des elfes. Parce que là, vraiment, ça arrive comme un poil de cul dans la soupe, quoi. Tu vois, genre, ah merde, il y a des elfes, ah d'accord. Puis les mecs, ils font tout péter une heure après, enfin, 10 minutes après, tu dis, ah d'accord, ils sont méchants. C'est un bordel pas possible. Ah, il y a un 2. Bah ouais, mais le problème, c'est que là, dans le 1, déjà, t'as l'impression d'avoir vu 2-3 films. Salut, Jumpman. Donc, voilà. C'est pas un mauvais film, clairement.
Mais mauvais choix, ils auraient dû faire vraiment plus étendre le bordel parce que l'univers a l'air intéressant et fun et. Mais et puis je m'attendais plus à une comédie, vous voyez. Là, c'est plus un truc un peu sérieux, un peu en mode un mix entre Percy Jackson et Harry Potter, tu vois. Ça n'a aucun sens. Donc c'est pas un scandale. Non, non, mais on n'est pas au niveau de Death Note le film. Hein. Non, non, franchement, le film est bien, il passe bien. Mais voilà, c'est-à-dire que en fait, faut pas cligner des yeux, tu vois, parce que sinon, tu comprends plus rien, tu vois. Oui, ils ont le Wingardium Leviosa. C'est vrai qu'ils font le Avada Kedavra là. Enfin bref, c'est pas une honte, c'est un bon film. Mais ouais, je m'attendais plus à une comédie en fait, parce que les trailers que j'avais vus, c'était un peu, t'avais l'heure qui faisait des vannes, ah tu veux un burrito, machin. C'était plus des vannes comme ça. T'as quelques bonnes vannes, mais si tu veux, je pensais vraiment que ça allait être une grosse comédie d'action. Et en fait, c'est beaucoup plus action que comédie, quoi. Avec en mode l'élu, machin, enfin c'est un délire un peu comme ça, quoi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah écoutez, s'il y a un 2, en tout cas, bah, je le materai avec plaisir et on verra bien ce qu'il en est. Voilà, pour Bright. Est-ce qu'on parle. Bon, Ellen Page, on va pas en parler. Clairement, on s'en balèque, hein, je pense. Même moi le premier, hein, on s'en tape. Non, ouais, bah voilà, elle est officiellement avec Emma Portner. Une jeune canadienne qui vient d'Ottawa. Et qui a genre 22 piges, je crois. Elle tape dans la MILF, hein, parce qu'Ellen Page, elle va avoir 31, là. Ah, et on est plus ou moins dans de la couillard, hein, là, les gars. Tu aimes Blade 2? Regarde Vampire Assassin. Ça en est la quintessence. Vampire Assassin. Bah tiens, attends, tu sais quoi? Je vais le noter. Je te promets pas que je vais le regarder, mais. Ouais, donc voilà, et ça fait un petit moment qu'elle était avec, hein. Je crois que ça fait peut-être un peu moins d'un an, hein, qu'elle est avec elle. Et ouais, je trouve ça un peu rapide, quoi, de se marier comme ça. Même si, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Elles font ce qu'elles veulent. Mais c'est vrai que c'est un peu rapide, je trouve. Et je suis pas dégoûté de la nouvelle, parce que bon, je veux dire, bon, voilà, j'ai passé l'âge du ah putain, je vais me marier avec une star, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais bon, je trouve ça un peu rapide, quoi. Voilà, il faut. C'est pas, tu vois, c'est pas. Donc pourquoi pas? Non, mais moi j'attends vraiment. Je sais pas si Emma Portner, je pense pas qu'elle ait déjà tourné dans des films, mais j'aimerais bien voir un film avec elle deux, tu vois. Je sais pas si elle a des talents d'actrice, autre. Peut-être que Ellen Page, elle pourra faire un rôle et l'autre, elle pourra danser derrière. Avec ses dents de chelou, là. Parce que je la suis sur Instagram, l'autre, attention, elle te fait des danses. On sait pas. C'est des trucs contemporains, là. Bref, donc voilà, bah c'est cool. Félicitations. Bravo. Toutes mes vœux de mes couilles. Enfin, on s'en bat les couilles. Voilà. Je voulais juste faire glisser une petite dédicace. Johnny. On peut parler de Johnny tant qu'on est dans les sujets bat les couilles. Bah, Johnny, il est mort, ça fait longtemps, là, déjà. C'est bon. Donc voilà, c'est une petite info que j'ai vue l'autre fois, là, j'ai dit, bah, c'est pas mal, c'est sympa. Bon, on verra ce que l'avenir leur réserve, hein. J'espère que ça va durer. Bref, Twin Peaks ou pas? Les gens vont trop vite à se marier. Bah, c'est ça, là je trouve, même ça fait même pas un an, hein, je crois. En fait, tu peux le voir, depuis combien de temps à peu près ça fait, parce que tu vas sur le compte d'Emma Portner. Tu vas dans tous ces trucs Instagram et tu regardes les premiers articles de l'année dernière, genre janvier. Et il y a que dalle. Et à partir d'un moment, tu vas voir Ellen Page qui like tous ses statuts, tous ses trucs sur Instagram. Et je crois que c'est à partir de février ou un truc comme ça. Donc voilà. Full balèque de Twin Peaks. Bah, Twin Peaks, moi je vous propose qu'on en parle avec Arnaud, un de ces quatre, peut-être dans un live en soirée comme ça. Normalement, il doit venir me voir ce mois-ci ou le mois prochain. Donc je ferai peut-être ça avec Arnaud. Mais du coup, il faudra qu'il mate parce qu'Arnaud n'a pas continué à mater depuis les trucs dont on a parlé l'autre fois. Non mais Johnny, c'est un truc pour les beaufs, bien sûr. Mais ça reste quand même un personnage iconique, tu vois. On peut pas lui enlever ça. Moi, j'aime pas Johnny. Enfin, je veux dire, j'aime pas. J'écoute pas Johnny, je m'en fous. Mais c'est vrai que le gars. J'ai stalké, ouais bah oui, il faut bien. Faut bien que je me renseigne. C'est pour vous tenir au courant, tu vois.
Ouais, Johnny, bon bah voilà, c'est quand même l'image, c'est une des, ouais, c'est une des, c'est une image de la France, c'est l'image de la France, Johnny. Hein. C'est voilà, c'est triste, mais c'est voilà, c'était un personnage iconique, machin, donc on peut pas lui enlever ça, quoi, Johnny. Donc je comprends que oui, c'est triste, mais moi je trouve ça pas triste, mais ouais, c'est dommage qu'il soit cané, quoi. Guillaume. Allez. Bon, du coup, Twin Peaks, on s'en fout le balèque, on verra ça avec Arnaud. Eh ben écoutez, on va parler... Parce que je voulais parler de Nioh, mais du coup, je l'ai mis dans mon top flop, là. Donc on va parler de ça. On va parler des jeux vidéo. Ça fait combien de temps? Ça fait même pas une heure, les gars. Je crois site dans les likes... Je croise Sid dans les likes des photos Insta de Maritza. Ah oui, oui, la meuf de Orange is the New Black. Mais évidemment, elle est magnifique, quoi. Diane Guerrero ou Guerrera? Non, Guerrero. Elle est trop bonne, quoi. Genre, mais... Pff. Attention, dès la première fois qu'on la voit dans Orange is the New Black, j'étais là déjà en train de me dire, mais elle est bonne, elle, non? Et donc, elle, effectivement, elle est juste méga bonne. C'est-à-dire que dans Orange is the New Black, elle est bonne, tu vois. Mais en vrai, quand tu vas voir ses photos Instagram, mais attention, attention, c'est collectaire ça, c'est collectaire. Bref, allez, on va parler de jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est les personnages qui vous représentent dans les jeux vidéo. Alors c'est un top flop complètement qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais un top flop, tu fais top 10, flop 10, tu vois. Top 5, flop 5. Bah, tu vois, tu fais toujours le même nombre, tu vois, à peu près. Bah, là, j'ai fait un top 11 et un flop 7. Ça n'a aucun sens. Parce que, bon, il y a pas mal de jeux dont je voulais parler. Bon, après, il y a des jeux que j'ai pas mis dedans. Parce que y a des trucs complètement pétés que j'ai pas mis. Les cheveux, c'est enfin mieux. Saint Vegeta 88 qui nous dit ça. Bah, c'est un plaisir, Saint Vegeta. Imitation de Brassens pour commémorer Johnny va faire rire pendant 10 minutes. Ma fait rire, peut-être. Ah bah écoute, c'est un plaisir, hein. Bref, bon bah écoutez, on commence par le flop ou le top. Je vous laisse choisir. Le sens de la logique. Non mais moi, c'est aucune logique. Ah, Lightning CK a réécrit toute sa phrase juste pour changer une lettre. Bravo. Titan Souls. Mais il est pas sorti cette année, Titan Souls, Shadow. J'en ai pensé quoi? Bah, je l'ai pris quand il était gratos avec le PS Plus. J'ai joué un peu avec Ahmed. C'est pas mal. Après, c'est pas le genre de jeu sur lequel je vais m'attarder, quoi. Clairement, flop. Ah, vous êtes chaud pour... Garde le tas de merde pour la fin. Ah. De toute façon, on va faire les deux, donc... Bon, vous êtes chaud pour le flop au début, alors? Je me suis dit que ça serait mieux de le faire en live, comme ça, évidemment, il y aurait une rediff de ce live, donc. Mais je me suis dit que ça serait mieux de le faire en live plutôt qu'en vidéo. Voilà, par contre, les films, je vais le faire en vidéo. Parce qu'il y a encore des films que j'ai pas vus. Genre, j'ai envie d'aller voir Jumanji. Je vais peut-être aller le voir cet après-midi, d'ailleurs. Jumanji. Je sais, je me doute que ça va être une énorme chiasse, mais... Pour la curiosité de la personne... Bon, on va faire le flop, alors. On commence par le flop. Bon, alors, comme d'hab, hein, je vais faire du moins pire au... Vraiment au caca. Et encore, ça va, j'ai été assez sympa. Hein. Parce qu'il y a des jeux que j'ai mis dans mon top que j'aurais pu mettre un peu dans le flop pour le délire en mode... J'étais un peu déçu, machin. Je viens de péter je viens de claquer une tôle en même temps de parler. Je sais pas si ça s'est entendu. Bref. Bon, bah, écoutez. Alors, donc, c'est un flop 7. Hein. Donc, en 7... en 7, j'ai mis Horizon, Zero Dawn. Ouais, parce que bon, c'est un jeu, genre, quand j'avais vu les images à l'E3 et tout, je me suis dit, mais ça va être pas mal, ça. Ça avait l'air vraiment, vraiment énorme. Et en fait, bah, je l'ai revendu, quoi. Alors, je l'ai fini, hein. Je l'ai quand même fini. Je vous ai fait, en plus, 2 vidéos dessus, hein. Et ouais, j'étais assez déçu, en fait, vu tout le truc dont je m'attendais, quoi.
Je m'attendais vraiment à un genre de Far Cry, mais un peu mieux, quoi. Genre, avec les machines et tout, ça me faisait un peu rêver, ce monde-là. Et au final, on se retrouve avec un sous-Far Cry. Il est magnifique, le jeu est magnifique, par contre. Ça, on peut pas lui enlever. Il est magnifique, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vus en monde ouvert, comme ça. Voire le plus beau jeu. Mais tu te fais chier, quoi. Tu te fais chier, c'est tout le temps pareil. Tu fais tout le temps la même chose, en fait. Le scénario est juste, mais pas intéressant au possible. Alors, j'avais fait une soirée chez Arnaud, justement, pour son anniversaire. Il y a quelques semaines déjà, ou peut-être un mois. J'ai rencontré un mec là-bas que je connaissais déjà. Hein, j'avais déjà fait des soirées chez lui, chez Arnaud avec lui. Et on fumait une clope avant, on discutait de jeux et tout. Et il me dit, oh putain, en ce moment, je suis sur un jeu énorme, le scénar est déchire, mon gars. J'étais là, je fais, ah, c'est quoi et tout. Il me fait Horizon Zero Dawn. Je lui fais, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Je fais, Horizon, t'es sérieux? Je lui dis, mis à part graphiquement que c'est une tuerie, le jeu est vide. Le scénario est juste pas intéressant, quoi. Ouais, les machines ont contrôlé le monde. Ouais, d'accord, super. On a déjà pas vu ça 1000 fois avant, tu vois. Enfin. Non, c'est assez méga chiant. Moi, je trouve, sans déconner. J'ai été déçu. Après, je l'ai mis vraiment en mode. Je l'ai mis qu'en 7. C'est-à-dire vraiment en tout dernier de mon top. Enfin, en tout premier. Non. En tout dernier, oui, de mon top. Parce que c'était pas non plus une énorme chiasse, quoi. Je l'ai quand même fini et tout. Comparé à quel jeu j'avais acheté que j'avais dégagé la grenade assez vite. Dishonored. Alors pas le 2, hein. Parce que le 2, j'ai même pas envie d'y toucher, parce que le 1, c'était vraiment une merde déjà. J'avais fait le 1 un peu, j'avais joué un peu. Au début, je m'étais dit, ah, c'est pas mal, ça ressemble un peu à Bioshock. Puis je me suis vite rendu compte que c'était de la chiasse, donc grenade automatique. Je l'avais même pas terminé. Je crois que le Dishonored, je l'avais revendu le lendemain que je l'avais acheté, quoi. Et du coup, voilà, Horizon, c'est pas non plus de la grosse merde, hein. Vraiment, c'est un jeu cool. Mais voilà, déjà, il est long. Putain, je sais pas combien de temps j'ai mis pour le finir, mais au moins 40 heures. Mais voilà. Clairement, c'est pas du bien joué. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Et s'il y a un 2, là, je crois qu'il y a un 2 qui est prévu. Et bah, honnêtement, je l'achèterai pas, quoi, parce que ça m'intéresse pas, quoi. Cet univers ne m'intéresse pas, cette histoire ne m'intéresse pas. Et j'ai pas du tout envie de connaître la suite de la vie de... J'ai déjà oublié le nom de la rouquine qu'on contrôle, là, la meuf. J'allais dire Face, mais non, Face, c'est dans Mirror Edge. Comment elle s'appelle, putain? Aloy? Aloy, c'est ça, Aloy. Ah, l'épisode de DBS. Bon, bah, je vais le mater après. Là, on fait le top flop jeu vidéo. On arrive juste au début, là, je commence le flop. Et donc, en premier de ma liste, j'ai mis Horizon en 7. J'ai fait un flop 7 et un top 11. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, Horizon. Voilà. Ensuite, en 6, j'ai mis Dragon Ball Fusion. Parce que... Alors, c'est Piu Piu qui me l'avait offert. Merci à toi. Pareil, c'est pas une chiasse, mais... Je sais pas... À l'œil. Déjà, le nom, il y a un pain. C'est à l'œil. Bon, ça n'a aucun sens, mais... C'est des noms à la con, hein. DB Fusion, c'est sympa. En fait, c'est sympa 30 minutes, quoi. Et puis, le système de combat est un peu pété, je trouve. Ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu un bordel, ce jeu. Non, je vais pas mater l'épisode avec vous, sinon ça va ramer et tout. Ouais, Fusion, en fait, tu t'emmerdes assez vite, quoi, c'est pareil. Pareil, l'histoire est pas intéressante. Je trouve vraiment le système de combat m'a beaucoup déçu, je m'attendais pas à... Alors c'est quoi, c'est un genre de action RPG, enfin un genre de RPG, quoi. C'est un peu bizarre. Je sais pas. Moi, ça m'a pas donné envie d'aller plus loin. J'ai pas mal joué, en plus, hein. J'ai pas mal joué à DB Fusion, mais ça m'a pas plus branché que ça, quoi. C'est-à-dire que,
Voilà, je crois que je me suis fait démonter par Broly là, la dernière fois que j'y ai joué. Quand je te dis la dernière fois, c'était vraiment il y a 3 mois, quoi, 3-4 mois, quoi. Même plus que ça. Donc ouais, c'est pas terrible. Et le délire des fusions, c'est rigolo 5 minutes. Mais tu t'attends à un peu plus que ça, quoi. T'as envie qu'il y ait beaucoup de fusions, de pouvoir fusionner n'importe quoi. Et en fait, tu te rends compte que tu peux pas fusionner ce que tu veux. Et voilà. Et puis alors, le délire d'avoir foutu des persos ultra cheatés dès le début, genre Vegeto Blue, Gatai Zamasu et tout, tu fais mais pourquoi vous avez fait ça, quoi? Ça nique un peu le plaisir de jeu. Alors oui, t'es pas obligé de les utiliser, ces persos, mais bon, quand t'as Black Goku Rosé dans ta team, c'est juste super stylé, quoi. Moi, je crois que j'avais gardé que Black Goku Rosé, justement. Pour que ce soit pas trop cheaté. Mais c'est vrai que quand c'était son tour et qu'il faisait son ultime Kamehameha, ça niquait tout le monde, quoi. Bref, donc oui, c'est pas terrible, c'est pas un jeu de ouf, et c'est dommage, parce que ça me donnait envie de... Voilà. Et ah oui, les persos font trop chibi, ouais, c'est vrai que le délire petit corps et grosse tête, là, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de ça, j'aime pas trop ça. Et bah, d'ailleurs, j'ai une petite statue de... Ah oui, mais elle est là-bas. J'ai une petite figurine de Broly que DG m'a offerte, comme ça. Elle est sympa, tu vois, mais c'est pas le délire, j'aime pas trop ça. Et ça, c'est un peu dommage. J'avoue, j'aurais bien aimé, limite, un vrai jeu fusion sur console next-gen, avec beaucoup plus de possibilités de fusion, et un scénario un peu intéressant. Bref, donc voilà, DB Fusion, vraiment pas top, quoi. En 5, j'ai mis Uncharted The Lost Legacy. On va pas en parler plus que ça, j'ai fait un vidéo test dessus où je le détruis, le bordel. C'est pas une honte non plus. Alors il y avait des... Je réponds plus aux commentaires négatifs sur ma chaîne parce que il y a plus aucun intérêt, parce que je sais que même si j'apporte des arguments, même si, c'est même pas ça, c'est que j'apporte des arguments dans ma vidéo et que les mecs en commentaire ils m'insultent, bon ça d'accord, mais ils mettent un commentaire et on dirait qu'ils ont pas vu la vidéo, tu vois. On dirait qu'ils ont vu juste un moment dans la vidéo où je dis ouais, c'est un jeu de merde. Et là, ils vont faire ah oui, d'accord, mais machin. Sauf que j'explique pourquoi. Et il y a eu 2-3 coms sur cette vidéo. Je me suis dit, mais je vais même pas répondre parce que j'en parle dans la vidéo, quoi. Donc je sais pas si ces gens-là vont passer dans le coin. Je sais plus qui c'est. Mais s'il vous plaît, arrêtez de commenter les vidéos quand vous en avez vu que 10 minutes, quoi. Vous matez une vidéo en entier et ensuite tu donnes ton avis. Putain, est-ce que c'est pas logique ça dans votre tête? Je parle vraiment à ceux qui font ça. Mais c'est insupportable, quoi. Toi, tu reçois un commentaire, tu dis à un mec qui est pas d'accord avec moi. Ça arrive, pourquoi pas, j'en ai rien à foutre. Ça arrive. Et je regarde son commentaire, mais je me dis, mais il dit n'importe quoi. J'en parle dans la vidéo, tu vois. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'être... Je sais pas, je comprends pas, moi. Soyez intelligent et... Et puis si c'est une vidéo que vous aimez pas, ne la regardez pas, quoi. Mais mettez pas un commentaire alors que dans la vidéo, je détruis votre commentaire quelque part. Enfin bref, on va pas s'étendre là-dessus, j'en ai rien à secouer. Enfin, rien à secouer. Non, ça m'emmerde en fait, ça m'emmerde parce que j'ai l'impression que les gens sont demeurés, quoi. Alors oui, puis bon, j'ai eu le fameux commentaire, tu dis le jeu est nul, mais en fait c'est toi qui es nul, tu sais pas jouer, lol. Voilà, hein, Jean-Kevin, 1 an, qui met un commentaire sur YouTube. Alors, va mourir, fils de pute. Va apprendre tes tables de multiplication et puis on en reparle demain, hein, d'accord? Voilà, donc... Et puis surtout que je suis le premier à dire que je suis une grosse brêle au jeu et que je sais pas viser, que je suis une merde. Mais bon, Jean-Kevin, 1 an, n'a pas compris. Bref, donc The Lost Legacy, voilà, trop scripté, je l'ai déjà dit dans mon test. Trop scripté. Les Uncharted sont... Pareil, il y a un mec... Non mais... Il y a un mec qui a mis un commentaire. Non, mais c'est pareil. En plus, je crois que c'est un mec qui met des commentaires souvent, quoi. Le mec il a mis un commentaire, déjà un petit pavé, hein, en mode il était pas content. Ah, ok, pourquoi pas. Et le mec il dit non mais tu dis les jeux vidéo, tu dis que le jeu est trop scripté donc t'aimes pas, tous les jeux vidéo sont scriptés donc ça veut dire que tous les jeux vidéo sont nuls. Mais nique ta mère, putain, mais de quoi tu parles? T'imagines le raisonnement de trisomique, quoi. C'est comme si tu disais les jeux vidéo, ça se joue sur un écran, ça veut dire que tout ce qu'il y a sur un écran, c'est nul. Mais quoi? Mais oh là là, putain. Et dans ma vidéo, j'en parle. Je dis que c'est trop scripté. Je dis pas, c'est scripté, donc c'est nul.
Je dis que Uncharted 4 était ultra scripté aussi, mais que ça ne gâchait pas le plaisir de jeu. Est-ce que c'est du français que je parle, hein? C'est pas de l'allemand, hein? Voilà. Donc, je parle français. Donc, automatiquement, si t'es français, il devrait y avoir une corrélation des machins, des circuits. Il y a un problème dans ta tête, là. Il y a des câbles qui traînent au grenier, fais quelque chose. Mets des dominos, je sais pas, mais c'est compliqué, là. Le problème de Uncharted The Lost Legacy, moi, que j'ai eu, et c'est un avis personnel, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le même avis sur le jeu, et il n'y a aucun problème. Madvenger, c'est peut-être un Madvenger, je sais plus. Je crois, je sais plus. C'est possible. Mais son commentaire n'a aucun sens, tu vois, c'est... Genre, tu vas critiquer un jeu vidéo, imaginons... Tu dis, les points négatifs, je trouve que le jeu est pas ouf parce que graphiquement, il est mauvais. Voilà. Ou le voilà. Le gameplay est pas bon. Pour moi, le jeu est pas bon. Ok ? Alors, du coup, le mec, il va te mettre en commentaire s'il a aimé le jeu. Il va te dire, non, mais tu critiques le gameplay, mais tous les jeux vidéo sont faits avec un gameplay. Ça veut dire que tous les jeux vidéo sont nuls ? Mais t'imagines le raisonnement de Madvenger, là ? Mais c'est quoi ce raisonnement ? Peut-être, tu vois, ça sert même à rien de répondre, en fait, parce que c'est un raisonnement de merde, de gogol, quoi. Excuse-moi, Madvenger. Je veux pas être méchant, vraiment. Mais c'est juste ma façon de parler, tu vois. Mais franchement, on est d'accord que c'est ridicule comme délire, quoi. Donc, bref, The Lost Legacy est trop scripté. Il y a vraiment des scènes, des moments où, en fait, t'es obligé de faire un truc précis. Et si tu veux aller autre part, tu ne peux pas. Et moi, ça m'a gavé, quoi. J'en ai parlé dans mon test. Il y a un moment... Alors... Ma sœur l'a fait le jeu et elle m'a dit, bah moi à ce moment-là, j'ai pas eu de problème. Peut-être, tu vois. Il y a pas de souci et je comprends. Et je dis encore une fois, c'est mon avis à moi. À quoi ça sert de regarder un test de ma personne si mon avis ne vous intéresse pas. Voilà, donc ne regarde pas le test. Déjà dans le titre, je mets une daube. Jeu de daube ou c'est une daube ou je sais plus quoi. T'as compris que je vais un peu péter le jeu, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que j'explique pourquoi. C'est pas juste, ouais, c'est trop scripté, alors c'est nul. Bah oui, mais je t'explique en quoi c'est trop scripté, tu vois ce que je veux dire? Et je le montre dans la vidéo. Et bref, t'as un moment où, en fait, moi, je me dis, bon, je vais descendre, t'as une plateforme, mais genre, mais... Y a que dalle, quoi, y a même... Allez, sans déconner, y a 2 mètres, quoi. Et je me dis, bon, d'habitude, y a des passages comme ça de 2 mètres où tu peux sauter, tu vois. Mais là, comme le script dit, en fait, tu dois aller grimper quelque part, et moi, j'avais pas vu, tu vois. Du coup, je me dis, je vais redescendre et puis je vais aller autre part. Et là, tu descends et tu meurs. Tu fais, mais quoi? Putain, mais il y a 2 mètres, là. Normalement, tu sautes les 2 mètres, là, tranquille. Enfin, bref. Et dans plein de passages du jeu, de ce genre de saut, tu peux le faire. Et là, tu peux pas le faire parce que le jeu te dit, non, c'est pas le chemin que tu dois faire. Tu peux pas aller là, il faut que t'ailles là-bas. Donc, si tu vas là, c'est un petit peu comme les jeux où, tu sais, quand tu t'éloignes de la zone de mission, les FPS tout pété, là. Genre Battlefield 3, je crois. J'avais joué à Battlefield 3. Et à un moment, tu t'éloignes trop de la zone de mission. Et en gros, l'écran, il devient en noir et blanc. Et ça te met, attention, vous sortez de la zone de mission. Revenez avant 10 secondes, sinon vous êtes mort, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas aller au-delà de la zone, quoi. Il faut rester dans une petite zone. Et si tu sors, boum, tu vois. Salut, Ludo. Et là, bah, c'est le même délire, quoi. Excuse-moi, c'est trop scripté, quoi. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Donc voilà en quoi le jeu, moi je l'ai trouvé mauvais. Parce que c'est trop, trop, trop scripté. Voilà. Uncharted 4 était scripté, mais il y avait moins ce délire. J'ai moins galéré à me dire, mais putain, je peux pas aller là, ça n'a aucun sens, quoi. Donc je suis désolé, mais voilà. Excuse-moi, la diversité des paysages, attention, quoi. Alors oui, t'as des temples sympas, mais t'en as vu un, les temples Inca, t'en as vu un, tu les as tous vus quelque part, tu vois. Ouais, et puis, les temples hindous à la tranche sur mer, t'en as vu un, tu les as tous vus, hein? C'est ça, c'est la jungle, des temples Inca, et à un moment, alors, dans mon vidéothèque, je dis l'Afghanistan, mais c'est trop pas ça, c'est en Inde, parce que je m'en rappelais même plus de l'histoire, tu vois. Voilà, honnêtement, 10 heures de jeu, quand tu tapes une heure d'Inde au début, là, dans un petit village un peu en guerre et tout, la nuit, c'est assez sympa. Puis après, c'est 9 heures de jeu où t'es dans la jungle et dans des temples. Enfin, au bout d'un moment, t'en as ras la gueule, quoi. Bon, je suis désolé. Et puis les gunfights intérieurs, la scène du train, là. Oh, mon Dieu, quoi. Avec les jeeps, non, c'est vraiment trop relou, quoi. La scène du train, c'est vraiment le truc d'Uncharted 2 qui était sympa, mais trop long. Et ils ont refait la même chose. Et fallait pas, parce que
Moi, j'ai vraiment détesté ce truc, quoi. Donc voilà, je l'ai mis en 5. Comme quoi, c'est pas une énorme chiasse non plus, mais j'étais méga déçu parce que... Et pareil, Madvenger dit, si t'aimes pas Uncharted, pourquoi tu joues à celui-là? Mais je kiffe Uncharted. Est-ce que tu as vu mes rediff live où je fais les 3 Uncharted en live sur ma chaîne? Bah, je crois pas. Est-ce que tu as vu mon vidéo test d'Uncharted 4 où je dis que c'est le meilleur Uncharted et qui surpasse totalement les autres, qui étaient déjà excellents? Bah non, on dirait pas, on dirait que le mec il est là depuis avant-hier. Putain, ça m'énerve ça. Tu sais, en gros, le mec il met son commentaire, tu sais, il efface tout ce qui s'est passé avant sur ma chaîne, et il met son commentaire de mec pas content. Et mec, non, ton commentaire ne vaut rien, parce que tout ce que tu dis est faux. Donc voilà, j'adore Uncharted. J'adore Uncharted. Donc, Corki quoi, putain. Ah, ça m'énerve, je te jure. Bref. En 4, on va arrêter là. En 4, j'ai mis Splatoon 2. Splatoon 2, que j'attendais beaucoup parce que j'avais adoré le 1. Pourtant, c'était mal parti. Hein. Vous savez que le 1, j'avais trouvé... Enfin, les vidéos et tout qu'on avait vu à l'E3, etc. Madvenger, il doit dire Uncharted. Coucou, c'est moi. Vaut rien KPN. Salut, mec. Qu'est-ce que je disais? Ouais, Splatoon 2, voilà, le 1, j'avais pas trop envie de l'acheter, puis au final, j'ai craqué. C'était pas mal. C'était pas mal, j'avais bien kiffé, du coup, j'attendais vachement le 2, et malheureusement, c'est exactement la même chose. Je m'y attendais, hein. J'ai fini le mode solo. J'ai un peu joué en ligne, mais j'étais au Canada, donc c'était un peu compliqué, parce que la connexion qu'ils avaient dans la première ferme où j'étais, c'était un peu de la merde. Fallait limite que je sois à côté de la box pour jouer, tu vois. Donc j'avais un peu de mal à jouer en ligne, mais j'ai fait quelques parties en ligne. C'est sympa, mais c'est le même jeu, en fait. Donc très déçu, parce que je m'attendais quand même à un peu de nouveauté. Alors la nouveauté, oui, il y en a. Il y a quelques nouvelles maps. Par contre, il y a des maps qui sont les mêmes. Donc ça, c'est ouf. Graphiquement, c'est la même chose. Il y a des nouveaux items. Des nouvelles armes. Double flingue, on a quoi? Bah voilà, j'ai déjà zappé le reste. Il y a des nouvelles armes, clairement. Si, il y a le saut de peinture, je crois que ça y était pas. Peut-être, mais moi je joue tout le temps en rouleau de toute façon. Mais je crois que t'as le saut de peinture, t'as les doubles flingues. Il y a quelques nouvelles armes, c'est sympa. Mais sinon, c'est exactement le même jeu. Le mode solo est très court, comme le 1. Très déçu, parce que j'avais adoré le mode solo du 1. Et pour moi, c'était un genre de Mario Sunshine, vous voyez, plateforme pure, c'était vraiment cool. Le mode solo du 2 est un peu moins bon, j'ai trouvé. Il est très court aussi, et les boss sont pas dingues. Ils se font assez facilement, il y a moins de difficultés. Le premier, le boss de fin, j'avais un peu galéré, il était assez relou à buter. Là, le boss de fin, je suis arrivé devant, je me suis fait dérouiller. Une ou deux fois, j'ai fait « Attends, mais il y a un problème. » Et en fait, j'avais passé tout le mode solo à pas upgrade mes armes. Et du coup, je dis « Attends, mais je lui fais aucun dégât, c'est relou et tout. » Et là, je me rends compte que je peux upgrade mes armes. Du coup, comme j'avais tous les points à fond, tu vois, j'ai tout upgrade mon pistolet parce qu'à la fin, il te donne un vieux pistolet tout pourri. Et je l'ai dérouillé first try, quoi. J'ai dit « Ah ouais, d'accord. » Mais en fait, j'avais pas du tout augmenté mon arme de tout le jeu, tu vois. J'avais pas compris qu'on pouvait faire ça, tu vois. Donc, assez déçu de Splatoon 2. Ça reste un bon jeu, si t'as pas fait le 1, tu vas trouver ça cool et tout. Si t'as fait le 1, c'est... En fait, limite, c'est un seul et même jeu, quoi. C'est la même chose. C'est un Splatoon 1.5. Donc c'est dommage. Donc je l'ai mis quand même en 4, parce que j'étais vraiment déçu. Quand je l'ai terminé, bah voilà, je l'ai terminé assez vite, et j'ai dit, bon, bah, au placard, quoi. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le multi, un peu comme j'avais fait pour le 1, je sais pas. Je verrai. Mais j'y ai pas rejoué depuis que je suis rentré, donc... Enfin voilà pour Splatoon 2. Splatoon 2, c'est une grosse smash du 1. Oui, c'est ça. Ils l'ont appelé Splatoon 2, mais en effet, quitte à faire un MK8 Deluxe, autant appeler le Splatoon Deluxe pour pas donner de faux espoirs. Non, mais c'est bien qu'ils aient fait un 2, mais clairement... Non, clairement, c'est pas un 2, quoi. C'est un Splatoon 1.5. Même Splatoon 1 Deluxe, quoi, ouais, clairement. Bref. Donc, voilà, c'est dommage, c'est dommage.
En 3, j'ai mis Pokémon Ultra Sun, Ultra Sun. Pokémon Ultra Moon, Ultra Sun. Bon, ça sert pas à grand chose à dire. L'année dernière, j'avais déjà mis Pokémon Sun Moon dans mon flop, je crois. En disant que j'avais été un peu déçu. Il me semble que je l'avais mis dans mon flop. Là, je le remets parce que c'est le même jeu, du coup. Et je m'attendais, encore une fois, à un nouveau jeu. Tout ça ne dit pas pourquoi t'aimes pas les Uncharted en attendant. Ouais, Pokémon, je suis assez déçu, je l'ai pas terminé encore. J'en suis au début, hein. Mais c'est le même jeu, donc en fait, bah, du coup, c'est la même chose. J'hésitais à le mettre dans le flop, mais bon, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Dans l'ensemble, petit coup de clairon, désolé. Dans l'ensemble, il y a pas mal de bons jeux cette année, il y a eu pas mal de bons jeux. Et encore, il y a plein de jeux que j'ai pas fait. Donc oui, bah, Pokémon, voilà, je peux rien dire de plus. Les nouveaux Pokémon sont dégueulasses. L'histoire est pourrie, le délire avec les arènes, là, les... Enfin, pas les arènes, là, les défis, je sais pas quoi, là, pour au lieu de... Ce qui remplace les badges, c'est de la merde. Enfin, voilà, quoi, les montures, c'est dégueulasse. Les montures, c'est une bonne idée, en fait, parce que ça vire les CS qui étaient pourris, c'est dégueulasse, quoi. Moi, j'aurais bien aimé, à la limite, des CS, mais qui ne soient pas des attaques, par exemple. Tu donnes une CS à ton Pokémon, tu dis, bah lui, il peut apprendre surf, mais c'est pas une attaque, c'est juste une capacité qu'il peut avoir sur la map quand il y a de l'eau à un moment, quoi. Tu sélectionnes ton Pokémon, tu fais surf comme d'hab, mais sauf que c'est pas une attaque. Ça aurait pu être cool. Mais là, c'est de la merde, quoi. Les montures, c'est dégueulasse, quoi. Alors ouais, c'est sympa, tu te dis, oui, tu peux chevaucher un taureau, se voler avec un Dracaufeu. Ouais, mais ça sert à... Enfin... Je comprends pas trop le projet, quoi. Pourquoi avoir mis des Pokémon monture? C'est ridicule, quoi. C'est juste débile, en plus. Enfin, non, franchement, c'est pas une bonne idée, je trouve, les montures. C'est complètement con. En fait, ils ont voulu changer plein de trucs de Pokémon, mais ça fonctionnait. Pourquoi changer des trucs? Les arènes, enlever les badges. Mais pourquoi t'enlèves les badges? Parce que tu remplaces par des épreuves où, à la fin, tu gagnes des genres de badges. C'est la même chose, en fait. Sauf qu'au lieu de battre un gros dresseur stylé, tu bats des vieux ratatas de merde à la chaîne, quoi. C'est complètement pourri, quoi. Ou au lieu de battre un dresseur stylé, tu prends des photos de Pokémon Spectre. Enfin, c'est complètement de la merde, quoi. Bref, c'est de la chiasse. Puis il y a beaucoup de blabla, quoi. Oh putain, je suis désolé, mais... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Putain, le Pokémon, t'as pas de... C'est quoi ce délire de foutre 75 000 cinématiques de 2 heures, là? C'est long à mourir, Pokémon. Tu sais, Pokémon, t'as envie de faire des petites parties. Moi, je le fais avant de me coucher, tu vois. Je fais des petites parties de 20 minutes. Putain, en 20 minutes, t'as 5 minutes de cinématique, quoi. Dans Pokémon. Putain, et ça l'histoire ne m'intéresse pas, c'est de la merde. Toujours un Pokémon légendaire et la conquête du héros sur les îles de mes couilles, c'est bon, quoi. Bref, c'est un jeu de merde. En deux, j'ai mis One to Switch. Le Pokémon est trop scripté. Les épreuves, mais oh my god, c'est claqué. Non, mais grave, c'est extrêmement mauvais, quoi. Donc oui, en deux, j'ai mis One to Switch. J'ai hésité, parce que je me suis dit, c'est pas vraiment un jeu, mais... Faut quand même le mettre dedans, parce que... Avec la Switch, il y avait moyen de faire des jeux ultra stylés. Il y a des jeux sympas dans One to Switch, hein, mais sans déconner, il devrait y en avoir 5 sur 20 et quelques. C'est extrêmement, extrêmement mauvais, quoi. C'est naze, c'est un party game tout pété. One to Switch, je m'attendais à une chiasse, effectivement. Mais pas autant. C'est-à-dire qu'il y a le jeu des billes, là. Où tu fais comme ça avec le Joy-Con et t'as des billes qui roulent dedans. Ça, c'est ouf. Ça, c'est vraiment ouf. Je trouve que c'est vraiment bien branlé et ça, c'est pas mal foutu, quoi. Il est trop mal en... Pas trop mal en soirée, oui. Non mais d'accord, mais en soirée, ok, tu vas jouer à One to Switch pendant une heure, grand max, puis après, rideau, quoi. Rideau. Il y a, voilà, sans déconner, il doit y avoir 5 bons jeux, t'as le truc des billes, t'as le truc du j'allais dire des degrés, là, non, c'est à chier, ça. Non, le truc du coffre, là, où tu dois... du coffre-fort, où tu dois trouver la combinaison, là, je sais plus. Ça, c'est pas trop mal, le truc où tu déroules le coffre avec la chaîne, c'est pas trop mal. Mais t'as des trucs genre les singes, là. Où tu fais ça, là. C'est quoi ce délire, là?
Enfin bref. Donc oui, One to Switch, c'est une merde totale. Bah, aucun intérêt, c'est un party game tout pourri. Il y a limite aucune nouveauté, mis à part le truc des billes, là, qui est vraiment pas mal. Le reste, c'est vraiment de la merde, quoi. Voilà. Et alors, en 1, j'ai mis Get Even. C'est flop. Ellen Page qui se marie. 2. Black Mirror avec Chien Mécanique et Camion Pizza. 3. Ton live avec JFSL. Ah, le jeu de la bouteille, ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est nul à chier, quoi. Bref, on s'en balèque. Voilà, donc en 1, Get Even, parce que, bah voilà, je m'attendais à un petit jeu un peu flippant, un truc un peu intense et tout, et en fait, c'est juste un jeu, FPS, tout pourri. La seule bonne idée du jeu, c'est le corner gun, où tu te mets à un coin de mur, comme ça, t'as un ennemi qui est là, et tu places ton flingue, et en fait, il a un canon qui se déplie, et tu peux tirer sur des mecs en mode comme ça. Ça, c'est pas mal. Mais sinon, en fait, c'est que du blabla. Et que des textes où tu dois comprendre l'histoire. Et c'est juste super nul à chier, quoi. J'attendais quand même pas mal. J'attendais pas ce jeu comme un ouf. Mais je l'attendais quand même. Et ouais, j'ai été méga déçu. Je l'ai acheté 30 balles en plus sur le PSN en mode... Vas-y, j'en ai marre. J'ai envie d'y jouer, là, direct. Vas-y, je l'achète, quoi. J'ai dû jouer 2 heures, quoi. Alors, je vais essayer de le finir, mais c'est vraiment la grosse déception de cette année, quoi. Get Even, là, mais de la grosse merde, quoi. Oh, mon Dieu, quoi. En gros, si t'aimes pas... Enfin, c'est même pas si t'aimes pas lire, parce que moi, j'aime bien lire, tu vois. Mais c'est juste, j'ai envie de jouer à un jeu vidéo, quoi. J'ai pas envie de lire des textes de merde pendant 5 ans, quoi. Donc, ouais, non, c'est vraiment nul à chier. Et c'est une grosse bouse infâme, quoi. Ah, bah, salut, Piu Piu. Bah, je sais pas, la cause, ça doit venir de toi, hein, parce que moi, tout va bien, là. Salut, Piu Piu, bon dimanche. Bon, voilà pour les flops. Bon, y a rien d'extraordinaire, hein, je pense que... Vous attendiez peut-être à ce que je mette Zelda ou Mario. Hein. Mais non. Bon, alors, du coup, les tops. Alors là, il y en a 11, hein. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les tops, parce que ça commence à s'étendre un peu, ce live. Genre One to Switch est mieux placé que Get Even. Bah oui, parce que One to Switch, j'attendais rien du jeu et je savais que ça allait être une merde. Et effectivement, c'est une énorme merde. Mais Get Even, en fait, j'avais vraiment hâte d'y jouer et j'étais méga déçu, mec. Donc pour moi, c'est de la chiasse. Mais c'est des petits flops parce que cette année, on a eu quand même beaucoup de bons jeux, quoi. Top 1 de Jason. Ah, tu verras. Bref. Allez, donc top 11. Donc en 11, j'ai mis Hitman. Voilà, parce que bah c'est cool de retrouver Hitman. Pas mal. Alors, il était déjà sorti, je crois. Mais là, c'est la sortie boîte, hein, il me semble. Donc en fait, il était sorti déjà l'année dernière, je crois bien. Et enfin, l'année dernière, on est en 2018, donc il y a 2 ans. Il est sorti en boîte l'année dernière, donc... Donc voilà. Donc Hitman, ouais, vraiment cool. Bon, je l'ai mis qu'en 11 parce que... Bon, c'est quand même de plus en plus... Les deux premiers Hitman étaient vraiment difficiles. Surtout le 1. Vraiment, il fallait vraiment que tu suives le scénar, machin. Tu pouvais pas trop y aller à la bourrin. Parce que t'étais un peu dans la merde souvent, quoi. Là, je trouve que c'est un peu plus facile, quoi, le Hitman. Tu peux te faire gauler et réussir à faire le bourrin, buter ce qu'il faut et te casser au dernier moment... Et ça va fonctionner, quoi. Dans les autres Hitman, t'avais ce truc-là aussi, mais c'était plus chaud à faire, quoi. Tu te faisais vraiment démonter assez vite, quoi. Donc j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus facile que les autres. Je l'ai pas terminé encore, en plus. Mais je vais le terminer, hein, clairement. C'est un jeu qui me plaît, donc je vais le terminer. Mais voilà, le Hitman est pas ouf. Je m'attendais vraiment à un renouveau de la série. Et en fait, on reste dans le même délire, sauf qu'il est un peu plus facile. C'est dommage. Mais sinon, c'est un jeu sympa...
Par contre, ce qui est ouf, c'est le nombre de personnages à l'écran et tout, quoi. J'avais fait une vidéo sur le Hitman, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a 1000 ans, hein. Mais il y a une scène là où... Enfin bref, t'as une scène où t'es dans un espèce de château, là où il y a un genre de défilé ou je sais pas quoi. Mais il y a des milliards de PNJ partout, c'est ouf, le jeu est beau et ça rame pas. Et franchement, c'est assez impressionnant, quoi. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc le Hitman, ouais, en 11. En 10, j'ai mis le Life is Strange, là, le nouveau. Ce qui est cool dans Hitman, j'en ai pas parlé, mais ce qui est cool dans Hitman, c'est le nombre de possibilités pour finir une mission. Tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Par mission, t'as peut-être 5, 6 façons de terminer la mission avec des objectifs différents. Ou alors, tu peux y aller en mode bourrin et tu te démerdes, quoi. Sur PC, c'est chaud de le faire tourner. Bah, moi, je l'ai sur Xbox One et nickel. Il est très beau et il rame pas du tout. Tiens, on va mettre le truc comme ça. Voilà. Donc, en 10, j'ai mis le Life is Strange Before the Storm. Il a failli être dans le flop, hein. Mais j'avais fait que le premier. J'avais fait que le premier épisode. Et là, le 2, je l'ai terminé. Il y a la partie 2 qui va être en ligne, je pense, dans la journée, là. Enfin, la partie 2. Non, l'épisode 5. Mais je sais que tout le monde s'en branle de ce let's play, hein, clairement. Mais vraiment, l'épisode 2 est vraiment cool. Il est vraiment bien, j'ai bien aimé. Donc j'ai hâte de faire le 3. Je vais le faire, je pense, dans la journée aussi, là. Donc je l'ai mis en 10 parce que, voilà, il remonte un peu dans mon top. Sinon, je pense que je l'aurais mis dans un flop. Alors, c'est quoi ce Stropol, là? Il y a un petit Stropol. Putain, c'est musique tout pourri, quoi. Sid va-t-il mettre une bière dans son top 11? Oui, et ce sera une IPA. Non, ton Stropol me donne envie de picoler. Il y a vraiment des gens qui ont voté là-dessus. Ah ouais. Et le top du truc, c'est ton Stropol me donne envie de picoler. Oui, je l'ai pas terminé, mais j'ai pas besoin de le terminer pour le mettre dans mon top, là, pour le moment. Mais je vais le terminer aujourd'hui. Mais je me suis dit que comme je faisais un top là, j'allais le mettre dedans, quoi. Ça serait débile de pas le mettre. Donc oui, pour le moment, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça va. Ça commence à être sympa. Là, l'épisode 2, j'ai bien aimé, donc je vais faire le 3, là, tout à l'heure. Bien kiffé, quoi. En 9, j'ai mis le Crash Insane Trilogy, là. Crash Bandicoot. Voilà, c'est sympa, c'est Crash, ça reste cool. Je pense que j'aurais peut-être pas dû le mettre, ce jeu, dedans, mais j'ai quand même passé de bons moments, j'ai fait des petits lives dessus, c'était sympa. Je l'ai pas terminé non plus, mais j'ai quand même pas mal joué, je vais le terminer, hein, clairement aussi. C'est sympa, c'est Crash, donc c'est cool. Par contre, je trouve que le gameplay, alors je me rappelle plus si à l'époque le gameplay était pareil, faudrait que je rejoue au premier pour voir. Mais le gameplay est vachement... j'ai l'impression qu'il est un peu fait avec le cul. Et voilà, c'est compliqué, donc. Hey, salut Akai. Putain, mais Akai, t'es pas... What? Akai, il est pas modo? C'est quoi cette connerie? Akai n'est pas modo. Attendez, il y a un pain, là. Bah ouais. C'est le top des jeux, ouais. C'est le site devant Life is Strange. C'est les jeux vidéo que je veux faire. Au générique de fin de Life is Strange, j'ai senti un truc couler sur ma joue. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Life is Strange. J'ai changé de compte. Ah, ben attends, je vais te mettre modo, là. Est-ce que je peux d'ailleurs? Putain, attendez. Je peux même pas te mettre modo? C'est quoi cette blague? Comment on met modo quelqu'un? Putain, je clique sur ton pseudo, mais y a aucune... Bref, on s'en malec. Le remake de Medieval? Ah ouais, ouais, grave. Je l'attends pas de ouf, parce que... Mais Medieval, ouais, c'était un de mes premiers jeux PlayStation. Même pas, j'ai dit de la merde. Je l'avais sur un CD de démo. Et je faisais la démo en boucle. Et j'avais trop kiffé. Et par contre, ça a été un de mes premiers jeux PSP.
Mon premier jeu PSP d'ailleurs. Et mon seul jeu PSP pendant très longtemps, parce que la PSP, bon, paie à son âme, mais il n'y avait pas beaucoup de jeux intéressants dessus. Jusqu'au Liberty City Stories, qui était sympa, mais... Bref, donc oui, Life is Strange, bon, bah sympa, non, c'est pas du tout ça. Ah oui, Crash Insane Trilogy, bon voilà, c'est Crash, donc franchement, c'est du lourd. Graphiquement, il est très beau, j'ai bien aimé la refonte graphique. Pareil, j'en ai fait une vidéo, faut aller voir. Tu tapes la commande, permaban. Bien sûr. Bref, en 8, j'ai mis South Park. Parce que... Bon, bah parce que oui, bon, bah voilà, il y a... Je trouve que... je sais pas. Ça reste South Park, donc c'est cool. Je me dis, je peux pas le mettre en flop, c'est pas possible. Mais je suis moins tenté, tu vois. J'ai du mal à m'y remettre. J'y joue de temps en temps. Hein. J'y ai rejoué cette semaine, tranquillement. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu qui me donne envie de m'y remettre. Genre, je me lève pas le matin en me disant, putain, vite, j'ai hâte de jouer à South Park, quoi. C'est... Voilà, ça me branche moins d'y jouer. J'y joue, je vais le finir aussi, pareil. Mais voilà, j'ai un peu de mal à... Je sais pas. Il y a un truc, je trouve, dans le jeu qui est moins... qui me fait moins rêver que l'autre. L'autre était vraiment génial. Et là, je trouve... je sais pas, peut-être que c'est trop un peu la même chose. Bon, le système de combat est complètement différent. Mais pareil, le système de combat, je le trouve un peu pété. Le jeu est trop facile, encore une fois. Le premier aussi était déjà trop facile. Ouais, il fait pas le même effet que le 1, je suis d'accord, c'est ça. Est-ce que, Dodo, bah, toi, tu le trouves pour moi, pour toi, c'est ton jeu préféré de l'année? Est-ce que t'avais fait le 1 Le Tax House Park, t'inquiète, je vais le faire, Dodo. Est-ce que t'avais fait le premier, Dodo? Je me mélange avec les Ningen. Parce que peut-être que si t'avais pas fait le 1... Parce que moi, vraiment, pour l'instant, le 1 est au-dessus. Hein. Il est cool, mais c'est vrai que j'ai moins envie d'y retourner, quoi, dessus. Putain, c'est vraiment les musiques de Florian Honner, quoi. Putain, c'est chaud. J'attends juste la réponse de Dodo, hein. Avant de continuer. Bon, je sais pas s'il va répondre. Bon, je vais pas attendre 10 ans, on va voir. Bref, voilà pour South Park. C'est sympa, mais enfin, c'est pas le jeu de l'année, quoi, clairement. Le 1 a eu l'effet de surprise. Là, c'est le même jeu, j'ai l'impression, donc flemme. Le 2 est une sombre chiasse niveau écriture à côté du 1. Ouais. Bon, je suis pas de cet avis-là, mais... Enfin, oui, ça, en tout cas, pour le moment, c'est pas ouf, quoi. Oui, j'ai fait le premier, je préfère le 1, évidemment, mais Fracture remplit quand même mes attentes. Salut Joachim, salut CJ's. Oui, j'étais chez le coiffeur, oui, évidemment. Bah, évidemment, ça se voit, non? Là, je sors du pieu aussi, hein, donc j'ai les cheveux, je suis pas lavé et tout, rien à foutre. Hein. Ouais. En tout cas, voilà. Oui, ça va très bien, Joachim, très bien. Merci de demander. Et toi, comment vas-tu? Bref. Bon, bah voilà, donc, oui, South Park, sympathique. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas le genre de jeu auquel je vais revenir quand je l'aurai terminé, quoi. Clairement. En 7, j'ai mis quoi? Oui, en 7, j'ai mis Mass Effect Andromeda. Parce que malgré toutes les critiques qu'on a eues, Monster Hunter, je sais pas. J'hésite encore, Joachim. Je t'avoue qu'après avoir fait la bêta, j'étais dans le jus, j'avais bien aimé dans la bêta, tu vois, de me faire la bêta. Mais avec le recul, je me dis qu'en fait... Je sais pas si tous les Monster Hunter sont comme ça, mais j'ai l'impression que c'est que du bourrinage, et ça m'intéresse pas, quoi. Il y a aucun skill à avoir, j'ai l'impression. La bêta, c'était que bourriner sur un mob pendant 20 minutes, quoi. Et bon, je sais pas si j'ai envie de faire un jeu complet avec ça, quoi. Donc je sais pas si je vais le prendre. J'étais méga chaud, mais après avoir fait la bêta avec le recul, je sais pas, on verra. Hosted Radio, ah bah merci pour ton host. Putain, mais t'avais déjà host la semaine dernière, je crois. Merci, mec. Merci. Bref, donc oui, donc en 7, j'ai mis quoi? Je me rappelle même plus. Oui, Mass Effect Andromeda, bah écoutez, parce que...
J'ai découvert les Mass Effect il y a peut-être 2 ans. Stranger Things mobile, ouais. Ben, je l'ai pas mis, parce que c'est un jeu mobile, je vais pas le mettre dans... Mais j'ai bien aimé, c'est vrai que j'ai bien aimé. Je l'ai terminé, j'ai passé 8 heures dessus, hein, quand même. Mais alors, attends, c'est bizarre, Hosted Radio, le mec, il host mon truc, mais il regarde même pas le stream. Ça n'a aucun sens, c'est quoi ce truc? Ça se trouve, c'est un genre de bot chelou, quoi. J'ai bien aimé les 3 premiers Mass Effect. Enfin, le 1 était un peu... a trop mal vieilli. Le 2 était pas mal... Et le 3 était pas trop mal aussi. Je sais plus exactement. J'en avais parlé de toute façon dans mes vidéos. Je sais plus ce que j'en avais pensé exactement. Je crois que le scénar du 3, j'avais bien aimé. Ou non, c'était le scénar du 2 que j'avais bien aimé. Et le 3, c'était un peu en dessous. Mais le gameplay du 3 était bien. Bref, donc la trilogie de base était cool, et là le Andromeda, bah écoutez, moi je trouve le nouveau gameplay vraiment bien. Salut Nawak. Par contre, c'est vrai que graphiquement, graphiquement c'est joli, mais c'est les visages, c'est assez dégueulasse. C'est dommage, mais honnêtement, ça fait pas l'essence d'un jeu, quoi, les visages. Dans le premier Mass Effect, les visages, c'était un peu, bonjour agent Shepard. Bonjour commandant Shepard, machin, enfin tu vois, c'était vraiment robotique, tu vois. Donc là, ils ont essayé de faire un truc, c'est assez dégueulasse. Mais voilà, c'est pas l'essence du jeu, je vais pas dire que c'est un mauvais jeu juste parce que les visages sont dégueulasses, quoi. Voilà, l'histoire a l'air moins intéressante. Voilà, je l'ai pas terminé non plus. Je compte bien le faire. En fait, tous les jeux, je les ai pas faits. Mais voilà. Mass Effect Andromeda, bonne surprise. Et malgré toutes les critiques de merde qu'il a eues, bah moi je trouve que c'est un très bon jeu. Et je vais y revenir dessus avec plaisir. Avec plus de plaisir que le South Park d'ailleurs. Parce que vous voyez que je l'ai mis en, au-dessus de du South Park. En 6, j'ai mis Mario et les lapins crétins. Eh ouais. Eh ouais les gars. On va parler des jeux mobiles après. Faites-moi penser à la fin du top de parler des jeux mobiles. Mario Lapin Crétin, bah écoutez, voilà, vous avez vu mon test. Si vous avez vu mon test dessus, j'ai bien aimé. Je m'attendais à que dalle, honnêtement, je pensais pas l'acheter parce que les Lapins Crétins, pour moi, c'est juste de la grenade automatique. Et bah, j'ai bien aimé le concept, le style de jeu, le tactical, je connaissais pas. Moi, je connaissais pas, donc j'ai bien aimé. Les boss, les ennemis, comment on appelle ça, le bestiaire est vraiment ouf, il est méga fourni. Il y a une ambiance rigolote, sympa. Les boss sont vraiment stylés. Il y a des putains d'idées. Non, franchement, c'est un putain de bon jeu. J'ai vraiment adoré. Donc, en 6, totalement. Les Lapins Crétins, ils méritent totalement sa place de 6ème position dans ce top. Alors, je vais parler vite fait des jeux mobiles. Alors, Fun Destroyer, oui, je suis en train d'y jouer en ce moment. Bon, c'est sympa, ça passe le temps, mais c'est un peu de la merde. Par contre, oui, le Stranger Things mobile, je l'ai fini à 100%. Voilà, comme je disais, j'ai passé 8 heures dessus, j'ai bien kiffé. J'ai adoré. Et j'ai même envie de vous en faire un let's play. Donc c'est à vous de me dire si ça vous brancherait de faire un let's play. Enfin, de me voir faire un let's play sur Life is Strange. Sur Stranger Things mobile. Dites-moi si ça vous branche. Prey, non, je vais pas tester. Alors, Monster Hunter, j'ai déjà répondu, Route de Zizi. Tu remateras le live. J'ai déjà répondu tout à l'heure. Donc, en 6, donc j'ai mis le lapin crétin à la con. En 5, Super Mario Odyssey. Eh oui, waha. Lapin crétin, bon, bah écoutez... non, Mario. Oh, Mario. Mario Odyssey, écoutez, au tout début, on va dire les premières heures de jeu, je me suis dit ok. C'est le jeu de l'année. C'était le jeu de l'année. Retourner dans l'univers de Mario, Et puis plus t'y joues, et plus tu te dis, mais... attends. Là j'ai eu une lune parce que j'ai mis un coup de cul sur une fleur. D'accord. Là, j'ai eu une lune parce que juste, j'ai marché là et il y avait une lune. Ok. Et puis, à un moment, tu te dis, mais c'est le boss de fin, ça? Ah, d'accord.
Mais je viens de le passer en jouant avec mes pieds, comment ça se passe? Et puis voilà, et puis t'arrives à 500 lunes et t'es au dernier stage. Et là, le stage est antisémite. Donc tu te dis, ok, c'est sympa, mais tout le reste du jeu, elle est où la difficulté? Ok. T'as des petits défis dans le jeu, genre les courses. Les courses que tu dois faire avec les Koopas. Tu dois courir et tout. T'as deux lunes à chaque fois à avoir. Tu fais une première fois, et après la deuxième fois, c'est course mode expert. Tu te dis, ça va être chaud. Non, first try à chaque fois. Attention, quoi. J'aurais kiffé que tu reprennes Code Vero. Oui, mais je vais le reprendre. Par contre, je pense que je vais en faire un let's play. Ou alors, je le ferai quand j'aurai une bonne connexion. Parce que là, ma connexion est vraiment trop minable. Je peux plus stream de jeux. C'est terminé, je vais arrêter de stream des jeux parce que on a changé d'opérateur. On est chez Free maintenant. Et on a une co encore plus pourrie qu'avant. C'est assez hallucinant. Donc, Code Veronica, je pense que je le ferai en let's play. Ou sinon, je reprendrai les lives, mais quand je serai au Québec. Donc, d'ici un an, quand j'aurai la fibre. Enfin, voilà. On en reparlera plus tard. Mais j'ai pas envie de vous proposer des vidéos, des lives de jeux vidéo dégueulasses, quoi. Parce que c'est vraiment, j'en peux plus, quoi. Donc, vous êtes plutôt chaud pour le Stranger Things. Bon, bah, je verrai si j'en fais un let's play, hein. Donc voilà pour Mario Odyssey, il est génial, hein. Il est excellent, mais c'est un jeu pour les enfants, c'est beaucoup trop simple et c'est dommage quoi. C'est dommage. Alors à la limite, le scénar principal, ok, je veux bien qu'il soit easy, il n'y a pas de problème. Mais après, mettez-nous des vrais niveaux avec des trucs ultra hard à faire quoi. Le dernier stage, ok, mais j'espère qu'il y a un nouveau truc après qu'on débloque avec des trucs encore plus durs parce que. S'il y a 15 stages durs dans ce jeu, c'est une merde, quoi. Même le Mario 3D World était mieux à ce niveau-là, quoi. En termes de contenu, quoi. Donc, bon, on va voir. Je lui laisse une chance. En 4, j'ai mis Nioh. Voilà. Je l'ai découvert il y a... Quand est-ce que je l'ai acheté? Ouais, je l'ai découvert dans la semaine, là. Je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs. Elle est montée, elle est exportée. J'ai plus qu'à la mettre en ligne. Je pense que je la mettrai en ligne demain ou mardi. Aujourd'hui, je vais vous mettre Life is Strange épisode 5, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, donc Nioh, bah excellent. Excellent. Je m'attendais... Alors, j'avais fait la démo à l'époque. J'avais trouvé que c'était de la merde. C'est dommage, la démo était mal branlée. Ils auraient mieux fait de foutre la première partie du jeu... où t'es dans le donjon et tu dois t'échapper, là, jusqu'au boss, en démo, ça aurait été beaucoup mieux. Non, eux, ils ont fait... ils ont mis la suite en démo, où tu débarques sur une plage, là, et où c'est méga hard et tu comprends pas, quoi. Donc voilà, et du coup, j'ai vu le let's play des messieurs, j'ai maté peut-être 2 ou 3 épisodes, et je me suis dit, putain, ça me donne envie d'y jouer, quoi. Ça me donne grave envie d'y jouer. Mais pourtant, je l'avais fait la démo, j'avais trouvé ça nul à chier, putain. Et là, j'ai vu les promos sur le PSN... Et jusqu'au 20 janvier, vous avez des bêtes de promo sur beaucoup de jeux. Et Nioh était à 20 balles. 20 balles. J'ai fait putain, allez, je le prends. En démat. Bah, les coups, je le prends 20 balles. Et bah, les gars, ça fait 2-3 jours. Ouais, la démo était trop dure. Je comprenais pas le gameplay, je comprenais rien, quoi. Et bah, là, ça fait, ouais, depuis jeudi, tous les soirs, je suis dessus. Et hier, j'ai passé quasiment toute la journée dessus. Il est excellent. Il est excellent. Salut Nico. Bonne journée. Nioh est excellent. J'adore. Le fait que ce soit pas un monde ouvert me dérange pas. Au contraire, c'est plus des petites zones. Du coup, tu peux vraiment tout explorer plus facilement. T'as moins de chances de te paumer. Bon, il y a des zones dans des labyrinthes et tout. Je l'ai pas terminé encore, mais j'en suis... là, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Hier, j'ai battu le boss samouraï, là. Voilà. Et il est addictif, c'est ça. C'est comme Dark Souls. Ça t'a pas fait chier de le prendre en démat ? Non, ça va, je m'en fous. Parce qu'en boîte, il coûtait 40€, je crois, sur Amazon. Et là, en démat, il était à 20 balles. Je me suis dit, vas-y, je le prends, quoi. Non, ça me dérange pas. Et ouais, il est addictif, quoi. C'est comme un Dark Souls. Tu te réveilles et t'as envie d'y jouer. Et là, si j'avais pas fait le live, là, je serais dessus. Et d'ailleurs, je vais sûrement y jouer ce soir. Ou... c'est une exclu... Non, alors, il est sur PC aussi, je crois. PS4, PC.
Donc Nioh, excellent, énorme surprise. Je m'attendais vraiment à de la merde et c'est du Dark Souls-like et c'est génial quoi. Donc c'est du lourd. C'est du lourd. Nioh, excellent. En 4. En 3. Évidemment, faut bien le mettre à un moment donné. The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Eh bien écoutez, bon, c'est Zelda. Alors je l'ai pas mis en 1 parce que je l'ai mis qu'en 3. Pour moi, c'est pas le Zelda. Alors, c'est le Zelda qui révolutionne la licence, machin, il n'y a aucun problème. Monde ouvert, beaucoup d'interactions, beaucoup de trucs à collectionner, tuerie, durée de vie de ouf. Ouais, je suis complètement d'accord. Ce Zelda est génialissime. Le seul problème, c'est que il est moins... Alors, je l'ai déjà dit, hein. J'avais fait une vidéo avec Arnaud où on donnait notre avis en live. Il n'est pas trop scripté. Oui, non, mais je vois tes petits taquinages, Lightning CK. Il n'y a pas de magie dans ce Zelda, j'ai trouvé. Il n'y a pas de magie. Et c'est le seul truc, vraiment, quand tu joues à n'importe quel Zelda, t'as une magie, t'as quelque chose derrière que t'as pas dans... Chaque Zelda est unique, tu vois. Quand tu joues à Ocarina of Time, t'as une magie particulière, t'as une ambiance particulière. Quand tu joues à Breath of the Wild, je sais pas, je trouve c'est un Zelda qui est un peu fade. Je sais pas, il manque de la magie. Il manque la magie Zelda. Le scénario est pas très intéressant, mais en même temps, le scénario de Zelda, ça a jamais été un chef-d'œuvre. Hein. À part l'opus Game Boy, Link's Awakening, qui était dingue. C'est un de mes préférés, Link's Awakening. C'est chiant à dire. Link's Awakening. Ouais, le Zelda sur Game Boy, génialissime, quoi. Il est ultra mature. Parce que pour la cible visée, il est ultra mature. C'est pour ça qu'un Mario Odyssey me dégoûte un peu, parce que Link's Awakening, c'est clairement un jeu qui était destiné un peu pour... voilà, la Game Boy, c'était un peu pour les jeunes, tu vois. Et quand tu joues au jeu, déjà, il est assez dur. Et quand tu le finis, c'est... T'as une morale à la fin qui est assez mature et qui fait un peu bader. Et là, ce Zelda, mis à part qu'il soit beau et tout... Bon bah voilà, j'ai pas trouvé vraiment de magie, une ambiance de ouf. Par exemple, j'ai pas envie de le refaire. Là, j'avais acheté le Season Pass. J'ai même pas installé les DLC dessus là, les nouveaux. Il faudrait que je le fasse. J'ai envie de me les faire, je vais me les faire. Mais vous voyez, ça me branche pas plus que ça. C'est-à-dire que je vais les faire, mais je suis pas en mode « Oh, il y a le nouveau DLC, je vais direct y aller, tu vois. » Donc voilà. Wind Waker et Link's Awakening définitivement au-dessus. Alors, moi, pour moi, c'est Link's Awakening et... Wind Waker, ça a été longtemps un de mes préférés, mais Ocarina of Time est au-dessus, maintenant. Parce que Wind Waker, à l'époque, je l'avais terminé à l'époque sur GameCube, et j'avais jamais fini Ocarina of Time, et quand je l'ai eu sur 3DS, je l'ai terminé. Ensuite, je l'ai terminé sur GameCube avec la version que j'avais dans Wind Waker, et je l'ai fini sur 64 deux fois, je crois. Et ouais, clairement, je vais même faire un let's play. Ocarina of Time est au-dessus, clairement, de Wind Waker. Même si j'adore Wind Waker. Hein. Mais en termes de scénar et d'ambiance, Ocarina of Time est tellement supérieur. Enfin voilà, Breath of the Wild, donc c'est dommage. Je trouve que c'est le seul point noir du truc, c'est qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'ambiance qui te donne vraiment envie d'être dans le jeu, d'être dedans, quoi. C'est un peu dommage. Mais sinon, en termes de qualité et de... comment on peut dire, de contenu, c'est une tuerie monumentale. C'est une tuerie monumentale. Majora's Mask, je l'ai sur 3DS et je l'ai jamais terminé. Je l'ai même sur 64, hein. Il est là. Il y a la boîte qui est là, je sais pas si vous verrez. Et je l'ai jamais terminé, mais il faudra que je le fasse, je vais le faire. Enfin voilà, après chacun son avis, hein. Akai, tu trouves qu'il est génial. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais... Ça m'a moins donné envie, et je sais que j'ai pas trop envie d'y retourner. Là, pour le moment, ça me branche pas plus que ça. Bon, on arrive sur le podium. Enfin, on était déjà sur le podium. Alors,
Donc la médaille de bronze revenait à Zelda. La médaille d'argent. Alors le numéro 2 de ce top, à votre avis. Allez, on va voir. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Normalement, vous pouvez savoir à peu près, si vous suivez la chaîne et tout, normalement, les jeux que j'ai fait... Ouais, je l'ai en boîte. J'ai même l'Ocarina en boîte. Normalement, vous devriez déduire assez vite. Au moins les deux prochains, là. Le 2 et le top 1 et le top 2. R7 nous dit Falcon. Daffy Dan, Pokémon. Non, Pokémon, je l'ai déjà mis dans mon... Je l'ai mis dans mon flop, Pokémon. R7. Vendredi 13. Freddy. Il n'y a pas Freddy. Hein. Lego Ninjago. Ah, mais voilà, c'est ça. C'est exactement ça. R7, on a compris. Ok. Ok, donc Ok, Call of Duty. Donc R7 en 2 et Jason en 1. Eh ben, vous avez totalement tort. Voilà. salut, Saster. Non, en 2, bah, j'ai mis Friday the 13th. Ah, j'ai mis Vendredi 13. Parce que, ben voilà, je suis désolé. J'ai voulu le mettre en 1, Vendredi 13. Hein. Clairement, je voulais le mettre en 1. Mais voilà, en 1, je suis désolé. La claque de l'année, bon, c'est R7. Hein. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Ouais, bah Friday, c'est ouf de mettre quand même Vendredi 13 devant le Zelda. Hein. Et j'ai hésité à le mettre en 1, Vendredi 13. Hein. Nier. Bah, Nier, en fait, le problème de Nier, c'est que... C'est que j'ai pas aimé le 1. Enfin, j'ai à peine joué au 1, j'ai trouvé ça nul à chier. Donc Automata, j'ai pas du tout envie de le faire. Quoi. White Noise 2. Donc voilà. En 2, Vendredi 13. Bah, en fait, c'est ouf, mais le problème, c'est que... je crois que c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Tout simplement. C'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Donc, voilà, c'est clair... Si je l'avais pas mis dans au moins en 1 ou en 2, ça aurait été débile, quoi. À partir du moment où c'est le jeu auquel j'ai plus joué cette année, bah, je considère que c'est un des meilleurs jeux de l'année, quoi. Voilà, donc... Voilà, alors le jeu est ultra buggé, le jeu est dégueulasse, il y a plein de problèmes, je suis d'accord. Mais c'est un jeu qui m'a fait kiffer ma race, et j'y joue encore, un peu moins... Mais sans déconner, dès qu'il y a un nouveau Jason qui sort, je suis à fond. Dès qu'il y a un nouveau Counselor qui sort, je suis à fond. Dès qu'il y a une nouvelle map, je suis à fond. Mais sans déconner, j'ai kiffé Vendredi 13 et j'espère qu'il n'est pas enterré, quoi. Qu'il y aura des nouvelles mises à jour, des nouveaux persos, peut-être un petit crossover avec Freddy. Ah, ça serait dingue, quoi. Non, et puis voilà, et les Vendredi 13, c'est une saga de films de ouf. Je vous conseille vraiment de les regarder. Alors, il y en a qui sont moins bien, hein. Le 5 qui pue la merde. Attends, il y a quoi d'autre? Le 9, il est pas ouf. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est fun et débile, quoi. Donc, je vous conseille vraiment de les mater. Et alors, pour les gros fans de Vendredi 13, quand vous jouez au jeu, mais c'est la même chose. Les maps, c'est les mêmes choses. Tu retrouves les mêmes maisons, les mêmes pièces. Enfin, c'est ouf. Les Counselors, ils ont fait des hommages en mettant des vrais Counselors. Ils ont mis la Black. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Je suis désolé. Mais ils ont mis aussi le mec, la Shelly ou Shelley, là. Le frisé, là, qui est dans le 3, dans Jason 3. Et la Black est dans Jason 3 aussi. C'est énorme, il y a énormément de clins d'œil. C'est un vrai jeu fait par des fans, pour les fans. Et Jason X, et ben voilà, ils vont sortir Jason X, quoi. Non mais c'est juste ça, c'est génial. J'ai tellement hâte de jouer avec Jason X. Il est tellement stylé, quoi. Et qu'est-ce que je disais, c'est un jeu fait... Oui, et c'est un jeu fait par des fans, pour les fans. Au point qu'ils ont même pris l'acteur principal qui incarne Jason. Alors, pas dans les premiers, mais je crois à partir du 6, du 4, ou un truc comme ça. Je crois que c'est à partir du 6. Je sais plus. Bref, le nom du gars, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, et c'est lui qui incarne le Jason, et ils ont mis des diodes sur sa gueule, et c'est lui qui joue le Jason dans le jeu, quoi. C'est juste énormissime de faire ça. Ils auraient pu prendre un mec random, bah les couilles, tu vois. Ils ont pris le vrai gars, quoi. Il y a même la musique d'Alice Cooper dans les crédits.
Ah ouais, sérieux? Bon, bah ça, après, tout ce qui est zik, je suis pas fan. Mais oui, t'as les zik d'ambiance, le kick. C'est excellent. Voilà, donc c'est un jeu ultra buggé, tout pourri, tout pété, mais il est en deux. Il est en deux, c'est mon deuxième meilleur jeu de l'année. Et alors, mon top 1, salut Chibi Lady, bon bah, tu arrives à la fin de Chibi Lady. Mon top 1, le meilleur jeu de cette année pour moi, bah, évidemment, c'est RE7, quoi. Voilà. Et honnêtement, ça partait très très mal pour RE7, mais en fait, c'est tout l'inverse de Gatehaven avec mon flop, où j'attendais beaucoup de ce jeu, Gatehaven, et au final, j'étais ultra déçu, et pour moi, vraiment, c'est la déception qui m'a fait le mettre en numéro 1 de mon flop. Et ben là, RE7, c'est j'attendais pas grand-chose d'RE7. Je me dis, ça va être une merde à la Pity, à la Slender, à tous ces jeux de merde, à la Outlast de merde, là. Je hais ce jeu, Outlast. Faut arrêter de dire qu'il fait peur, c'est un jeu de merde. Pour les puceaux de 4 ans. RE7. Tu commences à y jouer. T'es dans la maison. Premier truc avec Mia, au début, tu fais OK. Et dès que t'arrives dans la salle de save, dans la maison, là, au tout début, tu te dis, ah, mais il y a des salles de save. Ah, mais c'est une save room. Ah, mais il y a un coffre. Mais attendez, mais c'est comme dans les premiers. Et puis tu commences à faire les énigmes, à trouver des emblèmes, des clés pour les portes. Tu te dis, ça y est, on est revenu à l'ancienne, mais au goût du jour, en vue FPS, une nouveauté de ouf pour la saga. Oh, il est génialissime. Il est génialissime. Le seul point noir, bah, il y a plusieurs points noirs, tu vois, mais un des problèmes du jeu, je trouve, un des points noirs. Salut Gontran Durand, porte-bagages, comment vas-tu? Un des seuls points noirs du jeu, c'est. Enfin, un des seuls. Un des points noirs du jeu. On va dire la durée de vie, qui est correcte, mais j'aurais bien aimé un peu plus, quoi, parce que j'ai vraiment kiffé. La deuxième partie, qui est. Dans le bateau, là, ça commence à être un peu pourri. Dans les mines, c'est pas terrible. Toute la première partie dans le manoir est vraiment sympa. Ouais, est-ce qu'on peut appeler ça un manoir? Parce que bon, c'est une grande maison, quoi. Le scénario, qui a un peu aucun sens, mais bon, pourquoi pas. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le bestiaire, qui est très très peu fourni. Il y a très très peu de monstres différents. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Il y a quasiment, franchement, il doit y avoir 5 monstres, quoi. Voilà. Donc, mais c'est un retour aux sources. Le 8 est en préparation, apparemment. J'ai vu des news sur Twitter comme quoi il y avait un compte Biohazard Twitter qui a été créé et on ne sait pas ce que c'est. Donc, peut-être. Alors, il y a des rumeurs. Hein. Est-ce que ça, on va, ils vont annoncer le RE8 bientôt? Ou est-ce qu'ils vont annoncer RE2 Remake? Parce que là, ça va faire les. Je crois qu'il est sorti fin janvier 98, Resident Evil 2 sur PS1. Et du coup, ça serait bien de, bah là, 20 ans après, de nous balancer pour les 20 ans de RE2, de nous faire une annonce pour le remake. Je sais pas. Les messieurs étaient de très mauvaise foi avec le 7. Oui, bah, j'avais maté un peu leur let's play et en fait, j'étais un peu déçu parce que, si tu veux, le problème, en fait, c'est que moi, je l'ai fait en découverte, le let's play. Donc. Je connaissais pas le jeu, j'ai vraiment tout mon let's play, j'étais là, ah, tu vois. Voilà, eux, ils avaient. Enfin, J avait déjà fait le jeu, et en gros, F, il jouait, il s'en battait les couilles du jeu. T'avais F qui fait, ouais, voilà, va à droite, fais ça, prends la clé, prends machin. Alors, forcément, tu découvres rien, et le mec était là, ouais, c'est de la merde, tout. Bah, évidemment, t'as un mec à côté qui te dit quoi faire, tu découvres rien, t'as aucune surprise. Évidemment qu'ils ont trouvé. Enfin, que. Je trouve ça. Bref, j'ai pas aimé leur let's play. Moi, j'ai pas compris le projet. Donc, c'est assez dommage. Ouais. Salut Lining, bon dimanche. Enfin, bref. Voilà. Donc, pour moi, le meilleur jeu de cette année, c'était Resident Evil 5 et 7. Et je vais me prendre les DLC là. Et je pense vous proposer très prochainement des vidéos sur tous les DLC. Hein. Je vais me prendre les cassettes, je vais tout faire. À l'époque, je ne les avais pas fait. Là, il y a tous les DLC qui sont sortis. Je vais tout faire en vidéo, je pense. Ouais. Écoutez, bah on verra en tout cas si RE8, moi je foncerai tout droit, hein, de toute façon.
Bah, je critique pas les LMC, je parle juste de leur let's play, de mon avis, hein. Je vais te report à la Gestapo. Non, mais on est d'accord que les mecs étaient ultra de mauvaise foi et que c'est pas un bon délire de découvrir un jeu quand t'as un mec qui dit à côté de ce qu'il faut faire, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que si j'avais fait R7 comme ça, bah déjà, j'aurais été dégoûté. Moi, jamais je l'aurais fait comme ça. Si j'avais fait R7 comme ça, mais j'aurais été vénère. Hein. Enfin, bref. Je vois qu'il y a des avis partagés dans le chat. Y a aucun problème. Pour moi, c'est le meilleur jeu de cette année. Et voilà. Donc, le top 3, pour ceux qui viennent, je l'ai déjà dit, hein, mais vous verrez sûrement cette rediff au pire sur YouTube. Le top 3, voilà, donc en 1, R7. En 2, le vendredi 13, là. Et en 3, le Zelda. Voilà, c'est la trilogie de cette année pour moi. C'était vraiment excellent. Voilà, il est midi 26. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions pour terminer. Donc, je vais faire un top flop des films. Je regarde un peu, Ouais, il y a encore des films qu'il faut que je regarde. Là, je vais mettre Bright, du coup. Même si on en a un peu parlé. Il y a encore 1, 2, 3, 4... Il y a 5 films encore qu'il faut que je voie avant de faire mon top flop des films. Donc, voilà, ça sortira quand ça sortira, mais voilà. Les jeux mobiles. Ah bah, du coup, non, mais j'en ai parlé, en fait, tout à l'heure. Voilà, de Stranger Things et de Fun Destroyers, le South Park. Voilà, bon bah écoutez, si vous avez pas de questions, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ce live, c'était cool. Les speed drawing, je sais pas. J'avais une période où je m'étais remis au dessin, là j'ai complètement arrêté, donc je sais pas si je referai. On verra. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live, bisous à YouTube, hein, si vous regardez cette rediff. Et puis bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure, puisque je vous poste la partie 5 de Life is Strange, Before the Storm. Dans la semaine, vous aurez du Nioh, vous aurez encore du Life is Strange, le dernier épisode de l'épisode 2. Je vais tourner encore des vidéos, là, aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a plein de trucs, je fais des trucs. C'est la fête, c'est génial, c'est super. Je vais aller pisser, aller chier, je vais aller manger. Bisous à tous. La vidéo, je la sors... Bah, je la sors juste là, je vais la mettre en ligne, là. Allez, bisous tout le monde, bon dimanche. Et à la prochaine, ciao. Et il y a du Berry Christmas aussi qui va arriver cette semaine, avec le Berry Christmas numéro 11, très spécial, avec 4 personnes. On a fait ça au Nouvel An, on était bourrés, c'était marrant. Et donc, je vais vous mettre ça en ligne dans la semaine, bien évidemment. Allez, bisous tout le monde, et à la prochaine. Ciao.